Je vais laisser la parole à Diane Guyot de Saint-Michel, présidente de Provence Art Contemporain, qui va vous raconter un peu les enjeux de ce cycle de demi-journée professionnelle. Voilà, je laisse Diane Guyot de Saint-Michel parler. Merci Jean-Christophe. Donc, bienvenue à tous pour cette deuxième journée du séminaire Mutation. Organisé par PAC. Hier, on s'est tous retrouvés sur la question de la situation des acteurs, des droits d'auteur et l'économie de l'art. Aujourd'hui, on est rassemblés sur la question des nouveaux espaces, mais j'allais dire, c'est vraiment dans la continuité de ces mêmes questions. Comment on développe des nouveaux espaces de création, donc que ce soit atelier d'artistes. On a ici Artagon et Bureau Police, qui ne sont pas nommés en tant que personne sur le programme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous laisser vous présenter et je réalise que je n'ai pas de masque et que j'ai un micro. Voilà. Bienvenue à tous. Tu veux commencer? Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Nous, on est Artagon. Du coup, je suis avec Aurélia De France et pas avec Anna Labousse, qui est la cofondatrice, mais avec Aurélia De France, qui est la responsable d'Artagon Marseille. Donc on va dire que je vais incarner l'association de manière globale et Aurélia incarnera plus le versant du projet à Marseille. Et pour ma part, voilà, je suis Kémy Seni, du coup je suis fondateur et directeur de l'association avec Anna Labousse qui, vous l'avez compris, ne sera pas avec nous ce matin. Aurélia De France, donc responsable d'Artagon Marseille. Pardon, si vous voulez commencer, puis on se présente après chacun. Ouais. D'accord. On doit commencer. Je vous lance. Hop. Vous commencez par où? Par des nouveaux espaces de travail. C'est votre. D'accord. Vous voulez qu'on présente la structure, c'est ça? C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vous faites, ce que c'est. Un peu. Ouais, présenter. Très bien. Déjà quelques mots sur Artagon, sur l'association. Donc Artagon, c'est une association qu'on a fondée en 2014, qui est une association dédiée au soutien à la promotion et à l'accompagnement de la création artistique émergente. De 2015 à 2018, notre activité était centrée autour de l'organisation d'une exposition annuelle qu'on organisait dans le Grand Paris, donc à Paris, mais aussi on l'a fait plusieurs fois en banlieue parisienne, une exposition d'étudiants en école d'art qu'on sélectionnait dans plusieurs écoles d'art à travers l'Europe. Donc le principe, c'est que on créait un jury qui se divisait en plusieurs délégations. On allait visiter avec eux une sélection d'écoles en Europe et on rencontrait des étudiants sur place à l'occasion de visites d'ateliers ou d'expositions qui étaient spécialement organisées. Et ensuite, certaines et certains d'entre eux étaient sélectionnés pour une exposition qu'on organisait à l'automne, au moment de la FIAC et de cet automne de l'art contemporain qu'on a à Paris. Ces actions ont évolué avec la crise sanitaire, puisqu'on a été empêchés à la fois de voyager, à la fois d'organiser des événements. Du coup, on a réorienté nos actions vers ce qui nous paraissait le plus urgent, qui était le soutien financier. Donc on a tout simplement utilisé nos quelques talents pour lever de l'argent au service des artistes. Du coup, on allait frapper à la porte d'institutions, de fondations, de mécènes privés pour réunir des fonds et les distribuer. Donc on a fait un fonds de soutien pour les étudiants en école d'art premier semestre 2020. On a distribué des bourses à plus de 300 étudiants qui étaient vraiment dans le besoin et qui étaient dans une situation extrêmement précaire du fait aussi de l'arrêt des bourses pour l'été 2020, l'arrêt des bourses du CROUS. Donc on a pris un peu le complément du CROUS. Donc on ne sait pas si c'était vraiment à nous de faire ça, mais en tout cas on l'a fait parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et on a ensuite créé une autre bourse qui s'appelle la Bourse Horizon, qui est une bourse de soutien aux jeunes diplômés 2020 puis qui ont été cruellement impactés par la crise sanitaire puisque les écoles étaient fermées au public, les conditions de diplôme étaient extrêmement dégradées et du coup on a créé une action de soutien, de bourse pour aider ces jeunes diplômés avec des bourses de 1 500 euros. Du coup là c'était un petit peu la,
Je vais venir aux nouveaux espaces de travail, mais je vous raconte l'histoire parce qu'elle est importante. Mais c'est très bien d'avoir la jeunesse. Parce que là, on s'était dit, on fait de la morphine, en fait. On vient un peu fermer la plaie, mettre un petit pansement avec des aides, des soutiens financiers, mais ça nous paraissait urgent. Et on s'est dit, il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose de plus structurel, c'est-à-dire un investissement sur le long terme, sur comment on peut imaginer un projet qui va venir structurer la création émergente en France pour pas justement qu'on ait besoin de devoir faire juste des lancements de bourse comme ça, de manière régulière. Et c'est là que l'idée a émergé de ces lieux Artagone, et notamment de ce lieu, le premier à Marseille, donc de lieux qui sont dédiés à l'accompagnement de la création artistique émergente, à la fois sur des jeunes artistes, des artistes en début de carrière, et aussi sur des porteuses et des porteurs de projets, des professionnels, dans le sens où il nous paraît évident que les artistes ont besoin aussi que des structures et des professionnels avancent en même temps qu'elles et eux, pour pouvoir émerger, pour pouvoir structurer finalement le monde de l'art et de la création de demain. Puisque souvent, on a beaucoup d'actions en direction des artistes. C'est quand même ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais au niveau des commissaires d'exposition, des critiques d'art, des journalistes, des porteuses et porteurs de projets associatifs, on n'a pas forcément ce même intérêt de la part des pouvoirs publics. Donc il nous a paru important de mêler un peu les deux dans un seul et même projet, et aussi de rassembler des personnes qui ont été un peu séparées pendant leurs études dans le cadre d'un projet où tout le monde peut se retrouver sous la forme d'un écosystème. Donc voilà quelques mots un peu d'introduction, et je pense que je peux passer la parole à Aurélia pour vous décrire un peu plus ce qu'on met en place à Marseille en ce moment. Oui, donc comme vous l'avez déjà compris peut-être avec ces quelques mots de Kémy, c'est finalement comme une école après l'école qui est proposée à Artagone Marseille. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, ça va. Faut mettre bien... Comme ça, ouais. Du coup, les résidents, ils seront au nombre de 50. C'est 25 artistes et 25 porteurs et porteuses de projets qu'on accueille. Il y a eu 3 appels à candidature pour sélectionner ces personnes. Les critères, c'est peut-être intéressant quand même que vous les connaissiez. Ils ont porté à la fois sur la qualité du travail et sur le fait que les personnes devaient être en début de carrière. Début de carrière, ça peut à la fois vouloir dire des personnes qui sont tout juste sorties d'école, mais des personnes aussi autodidactes, des personnes qui ne vivent pas encore de leur pratique. Donc c'est un début de carrière qui peut être compris de manière assez large. Ça peut être aussi des personnes en reconversion. Un autre critère, c'était que les personnes soient basées à Marseille ou en région sud, ou qu'il y ait un lien fort, en tout cas, avec la région. Et puis, le fait qu'un accompagnement, un besoin d'accompagnement se fasse sentir. Parce que le programme d'Artagone, c'est aussi ça, c'est 18 mois d'accompagnement, donc à plusieurs niveaux, à la fois par l'équipe, mais aussi par... beaucoup d'intervenants extérieurs qui vont être invités tout au long des 18 mois sur des questions administratives, juridiques, légales, pour conseiller les artistes sur des questions qui vont de leur statut, leur structuration économique. Enfin, il y a vraiment un panel très large de sujets abordés, et une formation artistique avec donc un regard extérieur, encore une fois, par l'équipe et des intervenants extérieurs. Il y a aussi une volonté de générer une activité publique qui est de l'ordre d'un travail avec les habitants du quartier de Sainte-Marthe. Ça va être donc à la fois les artistes qui vont les mener et les porteurs de projets, donc sous plusieurs formes, à la fois avec des enfants, des jeunes adultes. Ça peut prendre beaucoup de formes. Je te laisse peut-être continuer. Oui, du coup, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que le lieu, on ne vous a pas encore parlé du lieu en lui-même, sur la partie espace. On est dans l'ancienne usine Ricard, qui se situe dans le quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement de Marseille. Et on est vraiment au cœur des quartiers nord, et du coup, dans un endroit où, quand on est un acteur culturel, et quand surtout on arrive avec des artistes, des porteurs, des porteuses de projets culturels, on a une certaine responsabilité. L'idée, c'est pas de créer un bunker au milieu de la ville où les gens arriveraient le matin, repartiraient le soir sans
considération pour le territoire. Donc évidemment que c'était un critère fort au niveau de la sélection et on a interrogé vraiment, dans l'appel à candidature, c'était vraiment précisé que les candidates et les candidats devaient dire comment ils envisageaient cette géographie-là, le fait d'agir et de travailler au sein des quartiers nord et comment ils pouvaient avoir un certain impact sur le territoire. Donc on aura tout un programme qui va être fait, un programme qu'on n'imagine pas comme un programme de médiation. L'idée, c'est que le lien avec les habitants, il se fasse dans le cadre des projets et des actions qui sont menées par les artistes et les porteurs et porteuses de projets, dans le sens où cela nous paraît important que ça s'inscrive, que ce soit inscrit dans leur pratique. Pourquoi ? Déjà, pour cette notion de responsabilité qu'on a en étant dans ce quartier, aussi parce qu'on a, la conviction qu'aujourd'hui la culture, aujourd'hui l'art, il a besoin, et aussi dans le lieu où on se trouve aujourd'hui, je pense que ça fait écho à ses propos, l'art a besoin de se connecter à la société, c'est ce qui va lui permettre aussi de vivre autrement, de dépendre aussi d'autres économies, d'autres budgets, que d'avoir cette inscription véritablement au cœur de la société. Et c'est une manière aussi de défendre la culture, évidemment, comme facteur d'émancipation, de développement, de dynamisation d'un territoire aussi. Cela nous paraît important aussi que les artistes et les porteurs de projets culturels aujourd'hui portent ce message qui peut changer la donne là où la création contemporaine peut être enfermée dans certaines catégories encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout évidemment la volonté des artistes qui ont plutôt justement cette ouverture et cette envie de travailler avec les territoires et leurs habitants. Voilà du coup sur ce point. Et ensuite, pour revenir un petit peu sur le lieu, donc Ricard a déménagé. Donc ça, c'est vraiment à Sainte-Marthe, c'était les locaux historiques de Ricard. Ils ont déménagé dans le quartier d'Euro-Méditerranée au début de l'année. Le lieu a été repris par un groupement d'associations qui s'appelle l'Épopée. Du coup, il y a plusieurs acteurs, dont Synergy Family, qui ont un peu mené le projet, qui est un acteur dédié à l'éducation et à l'animation socio-culturelle dans les quartiers nord de Marseille. Donc ils ont des délégations de services publics pour notamment les centres de loisirs et aussi les maisons de quartier, ce genre de structure. Et ils ont repris le lieu à Ricard en associant différents acteurs. Donc ils ont racheté le lieu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les dynamiques de territoire, c'est que c'est un projet qui a vocation à être pérenne, qui a vocation à exister. Alors Artagon, dans cet écosystème, on y travaille. Pour le moment, on est encore sous une forme d'occupation temporaire, mais on travaille justement à une pérennisation. Et je pense que c'est un enjeu dont on va se parler, parce que je sais que avec Bureau Police, on est sur ces mêmes sujets de comment on arrête de déménager tous les ans ou tous les deux ans d'un lieu à un autre, mais comment on peut véritablement s'ancrer et mener un projet de long terme à un endroit donné. Ils ont racheté du coup ce lieu qui, en tout, il y a 12 000 m2, et Artagon, on occupe aujourd'hui un peu moins de 2 000 m2, ce qui correspond à l'usine. L'ancienne usine Ricard, c'est véritablement là où on a même des pipelines à Ricard. Vous verrez, donc on ouvre fin août, on y reviendra peut-être juste après. Et vous verrez, vous pourrez voir ces cuves et ces pipelines à Ricard qui sont encore présents. Parce qu'il y a aussi toute une partie où c'était plutôt des anciens bureaux. Et nous, voilà, on a repris la partie usine où on aura du coup un espace de programmation au rez-de-chaussée qu'on va aménager là au mois de juillet. Et également tout un étage avec des bureaux. Donc c'est là où il y a l'équipe d'Artagon, les porteuses et porteurs de projets. Et au deuxième étage, il y a tous les ateliers d'artistes, tous les ateliers individuels, avec également des espaces de production communs qui sont au rez-de-chaussée. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme voilà, une pépinière, en tout cas un lieu assez foisonnant avec ces différents acteurs qui se croisent, qui y travaillent, mais avec également un espace de programmation assez ambitieux dans l'objectif d'être ouvert au public. On a aussi un espace extérieur, ce qui est assez important quand on veut faire de la programmation orientée vers la ville, de ne pas
créer cet effort nécessaire de devoir rentrer dans des murs, mais plutôt de nous sortir et d'aller à la rencontre du quartier. Donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte, on va dire, spatial. Du coup, on a voilà, 25 places d'atelier pour les artistes, 25 places, enfin un peu plus, même une trentaine de places de bureaux pour les porteuses et porteurs de projets, et plus l'espace de programmation qui, je crois, va faire à peu près 300-400 mètres carrés, en plus de l'espace extérieur. Donc voilà, l'idée, c'est de créer aussi un lieu de destination, un lieu de vie, pour que aussi le public ne vienne pas juste voir un projet ou une exposition, mais qu'il passe aussi un moment dans ce quartier et qu'il aille à la découverte du coup de Sainte-Marthe, et, parce que le quartier est vraiment intéressant. Donc voilà, voilà un petit peu pour le contexte. Et là, on en est, donc on a fini, comme le disait Aurélia, les premiers appels à candidature, enfin l'ensemble même des appels à candidature. On a fait le dernier comité de sélection pour les artistes et les porteuses et porteurs de projets hier. Donc là, on va être au complet. Donc on va rencontrer les derniers résidents potentiels. Et après toute une phase d'installation et un peu d'aménagement pour voilà, libérer les énergies, on va dire, libérer les chakras de ce lieu qui va avoir lieu là en juillet. On va préparer du coup l'ouverture qui aura lieu les 26, 27, 28 et 29 août. Donc au moment de cette période que vous connaissez bien d'Artorama. Et on aura le 26 août précisément la journée professionnelle qui aura lieu de 10h à 18h. Donc comme ça, je vous le dis tout de suite. Évidemment, vous êtes toutes et tous invités pour cette journée professionnelle où il y aura des ateliers ouverts, il y aura toute une programmation pensée par les porteuses et porteurs de projets et les structures résidentes et diverses choses qu'on ne connaît pas encore, puisque le principe aussi de ce projet, c'est que la programmation, nous, on accompagne avec l'équipe d'Artagone, mais c'est vraiment les résidentes et les résidents qui pensent, qui proposent, qui conçoivent, qui produisent avec notre accompagnement. Hein, l'idée, c'est qu'on soit une boîte à outils, une zone ressource, un outil voilà, dont s'empare la jeune communauté artistique locale. Et cette ouverture de fin août lancera un peu tous nos programmes. Tu veux peut-être dire un mot ? Oui, donc c'est vrai qu'on tout le lancement va se faire à partir de ce moment dès septembre. Je reviens aussi sur cette question de gouverner, enfin d'une horizontalité en fait dans la manière dont le lieu fonctionne, parce que c'est vrai que même au niveau de la production, enfin pas seulement de la programmation, mais des temps de formation ou du pôle production, on va attendre des retours des artistes pour vraiment équiper le lieu en fonction des besoins des résidents qui sont là. Donc c'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure et qu'on construit avec les résidents. Parce que, enfin, on peut vraiment tout imaginer. On a, en termes d'équiper un atelier photo ou un outillage pour travailler le bois, le métal. En fait, il y a vraiment des besoins extrêmement, extrêmement variés. Donc là, on est vraiment dans une étape où, sur cet été, on va rencontrer les résidents. On est vraiment en train d'énormément échanger à ces sujets-là. Quels sont vos besoins ? Réajuster du coup toutes les choses qui ont été pensées et mises en place en termes d'équipement, en termes de formation sur les calendriers qui sont établis. Et le lancement se fera donc en septembre, même s'il y a déjà des temps en formation cet été, puisque Anna et Kémis sont eux-mêmes impliqués puisqu'ils donnent des formations directes avec les résidents. Et nous, on les voit. Donc cet été, c'est déjà des temps de rencontre, des temps de travail. À partir de septembre, il y a les intervenants extérieurs qui seront présents également et qui pourront ajouter à ce programme. Et dernière chose qui est importante à dire, c'est-à-dire que c'est un projet qui se développe en plusieurs temps et avec plusieurs cercles. Donc on a ce premier cercle qui est notre premier enjeu, qui est les résidents, leur installation, commencer à les accompagner en vue de l'ouverture de cet été, puisque cet exercice aussi de la studio visite, il est extrêmement délicat pour des jeunes artistes. Et du coup, on veut les accompagner au mieux pour que ce soit intéressant pour eux et intéressant pour le public, pour les professionnels, et que ce soit un vrai moment d'échange, d'opportunité, de dialogue, de rencontre, et pas un moment stressant ou gênant.
Donc ça, on y travaille fortement. Le deuxième cercle, c'est les habitantes et les habitants de Sainte-Marthe, c'est-à-dire qu'on ouvre un lieu dans ce quartier, on vient à peine d'arriver, donc on a une responsabilité par rapport à ça. J'ai beaucoup dit ce mot, mais il est extrêmement important pour nous. Et du coup, on travaille avec Chloé Angiolini, qui est juste ici, qui est en charge de la programmation d'Artagon Marseille. On travaille du coup à rencontrer les différentes structures, acteurs sociaux, culturels, les acteurs aussi qui œuvrent au niveau de la jeunesse, et pas que, aussi au niveau des seniors, donc rencontrer nos voisins pour mener des programmes dès cet été en amont de l'ouverture, des rencontres, les faire venir, faire visiter le lieu, créer des rencontres avec des artistes, des porteuses et des porteurs de projets pour qu'ils s'approprient finalement ce projet, ce lieu, et qu'au moment de l'ouverture, bah, tous ces habitants viennent par eux-mêmes voir ce qui s'y passe, et que ce soit pas une découverte pour eux au moment où ça le sera pour vous, mais que ce soit déjà quelque chose dont ils ont une certaine maîtrise et une certaine connaissance. Et évidemment, ensuite, on va amplifier ces programmes. Le troisième cercle, c'est les artistes et les professionnels de Marseille et de la région de manière générale, c'est-à-dire que toutes les formations qu'on va proposer, la plupart vont être ouvertes gratuitement sur inscription à l'ensemble des professionnels et artistes en début de carrière de Marseille et de la région. Donc, par exemple, pour les artistes et professionnels de Bureau Police et d'autres entités. L'idée étant qu'on soit une zone ressource, encore une fois, pour le territoire de manière large, et qu'on ne soit pas un projet qui se serait enfermé sur ses résidents. Donc, on a aussi une vocation, une responsabilité vis-à-vis des autres artistes qu'on ne peut pas avoir en résident, parce que malheureusement... Comme beaucoup, on est limité par les mètres carrés dont on dispose, mais on veut par contre accompagner le plus de personnes possible, puisque structurer la création, ça nécessite de jouer aussi dans la pluralité, dans la qualité évidemment de l'accompagnement, mais aussi dans la pluralité pour réussir à contribuer à notre échelle, à solidifier un petit peu les choses. Merci beaucoup. On a compris que vous ne voulez pas être hors sol. Et du coup, j'en profite pour on va avoir l'expérience de Bureau Police, qui est aussi un autre nouvel espace, là en l'occurrence un immeuble, mais je vais te laisser décrire. Et peut-être s'il y a des questions par rapport à l'Artagon ou tous les autres intervenants, on reprendra à la fin de toutes les présentations. Sur des questions spécifiques. Je t'en prie. Projet qui a pas mal de similitudes avec le vôtre aussi, même si c'est des manières différentes de construire. Donc moi, c'est Raphaël Azio, je coordonne le projet Bureau Police pour l'association Yes We Camp, qui porte ce projet-là. Un petit mot d'introduction sur Yes We Camp. On est un collectif à l'origine qui est né d'un événement en off de la capitale européenne de la culture en 2013. Qui était pas d'offre d'hébergement à bas prix pour les touristes qui allaient arriver pour cette capitale européenne de la culture. Et du coup, la volonté de construire sur une dalle de béton à l'Estac pendant 8 mois une petite ville écologique et artistique qui a vécu sa vie. Et à partir de cet événement, ça a soudé un collectif d'architectes, artistes et urbanistes avec quelques artistes qui étaient bien impliqués dès l'amorce, donc une vision... D'abord une casquette de collectif d'artistes qui a fait des résidences à droite à gauche pendant quelques années au laboratoire d'Aubervilliers à Paris et dans des endroits divers et variés, et au fur et à mesure a acquis une expertise de gestion de projet, notamment avec le projet des Grands Voisins qui était un ancien hôpital abandonné de 4 hectares dans les quartiers du 14e arrondissement de Paris. Avec un croisement avec l'association Aurore et l'hébergement d'urgence, et un rapport au travail social qu'on a nourri aussi artistiquement de ces démarches. Et ce moment-là des Grands Voisins, c'était le moment où on est passé de collectif faiseur à structure gestionnaire post-collectif. Et on a aujourd'hui 5 projets en France, entre Paris et Marseille, qui ont des morphologies très différentes. Avec Yes We Camp, on a récupéré des petits restaurants dans les Cévennes, des gros hôpitaux, des friches. On a le projet Foresta dans les quartiers nord, qui est 16 hectares de terrain sous les lettres Marseille-Hollywood, que pas mal d'entre vous identifient, où on fait des balades à cheval notamment, et on met des caravanes sur des conteneurs pour héberger les personnes. Donc les morphologies de projets sont très différentes. Mais on a toujours insisté pour laisser de la place aux artistes dans ces projets-là, notamment
En les salariant, puisque beaucoup des salariés d'Yes We Camp étaient des artistes, et ça donne une vision particulière au projet, peut-être un peu moins... Ça met toujours un caillou dans la chaussure de la gestion efficace, mais ça donne aussi plus de poésie à ces projets-là, mais aussi en organisant des résidences, souvent liées aux sociabilités, aux sciences larges, avec des processus de création ouverts et de l'hospitalité au sein du processus de création, et notamment à Coco Velten, dont j'assurais la coordination artistique avant Bureaupolis. Et en rencontrant les artistes de Marseille et en étant ami avec pas mal d'entre eux, c'est vrai que Marseille attire les artistes à l'échelle nationale en ce moment. Il y a beaucoup d'artistes en sortie d'école qui viennent à Marseille parce qu'il y a une effervescence qui s'est construite, je pense, entre Capitale Européenne de la Culture, Manifesta, mais aussi toutes les petites structures qui sont en train de se développer sur le territoire à l'heure actuelle. Et ce qui ne suivait pas encore, c'était les espaces de production. Donc des jeunes collectifs qui souhaitent s'installer et qui cherchent des espaces, ou des artistes plus établis, notamment les artistes sortant des ateliers de la ville de Marseille pour cette cuvée-là qu'on a presque récupérée entièrement, qui sont presque tous venus à Bureaupolis par la suite. Il y avait une recherche d'espaces de production. Les artistes sortant des ateliers de la ville de Marseille, ça faisait 6 mois qu'ils recherchaient. Ils étaient presque sur le départ, n'ayant pas de solution alternative. Et du coup, le projet, il s'est construit de façon très opportuniste, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire il y a une opportunité, on la saisit. On est à une rencontre d'urbanisme à la Friche Belle de Mai, organisée par Mathieu Poitvin en octobre dernier. Donc le projet s'est monté très très vite. Et on rencontre le futur propriétaire, ICAD, qui va du coup démolir ce bâtiment de 9 étages et de 16 000 m². Donc il faut vraiment imaginer un building de bureau classique, de 27,50 m de haut, de 100 m de large, entièrement vitré, qui est un immeuble d'architecture construit par Marcel Lodz du groupement d'expérimentation en architecture industrielle. Et on a la possibilité d'un temps d'occupation de 12 mois à la base, qui s'est transformé en 18 mois avec de la négociation. Et en face, un énorme besoin. Et en plus, une morphologie de locaux où ils avaient commencé à rénover un étage témoin. Donc, ils avaient commencé la rénovation sur l'ensemble du bâtiment. Donc, les deux tiers des espaces étaient complètement bruts. C'est-à-dire qu'il fallait tirer les lecs, poser du placo. Mais il y avait de la vue, de la lumière et de l'espace. On était quand même assez frileux de se lancer dans ce projet parce que c'est un bâtiment donc de type Peyron. Je raconte un peu les contraintes techniques, mais elles sont aussi importantes quand on ouvre un lieu et quand on le travaille avec les artistes. C'est des choses qui existent. De bâtiment de type Peyron, donc du coup, il est soumis à des normes incendies très strictes et les charges de gestion sont hyper élevées. Et du coup, dans la création du modèle économique, on savait qu'il fallait faire des loyers les plus modérés possibles pour les artistes qui ne peuvent pas payer des loyers qui sont des 1000 et des 100. Et en même temps, il y avait des charges de gestion qui était assez importante. Et c'est là où il y a eu un peu un alignement désastre. La Croix-Rouge, dont un des immeubles a été mis en péril en centre-ville, s'est installé sur le parking pour installer une école d'infirmières en extérieur et a pris le 4e étage, ce qui sert à payer à peu près un tiers du budget du projet et donc avoir des prix plus raisonnables pour les plasticiens. Donc des grands plateaux de 250 m² sont à 3 € du mètre carré par mois. Et ils sont souvent investis par des collectifs ou des artistes qui ont l'habitude de travailler ensemble et de travailler en colloque dans leurs ateliers. Donc ça, il y a 14 plateaux nus qui sont comme ça. Et ensuite, des espaces de travail individuels qui étaient en bon état. Les gens en arrivant, la clé dans la serrure et c'était parti. Et donc on a lancé un appel à projet en janvier, si je ne me trompe pas. Et en fait, là, aujourd'hui, Bureaupolis, c'est 250 artistes. Quand je dis 250 artistes, c'est pratique artistique au sens large, mais il y a à peu près 120 plasticiens, quelques archis, pas mal d'artisans, pas mal de designers, qu'ils soient graphiques ou sonores. Et voilà, on espère encourager des croisements là-dedans, mais c'est quand même une forte majorité, une forte teinte de plasticiens. Et donc... L'idée du projet, c'était on se place au croisement de plusieurs modèles. C'est à la fois, on a essayé de le raconter comme ça aux artistes. C'est d'abord un artist run space, donc le vendeur à Paris ou le doc aussi à Paris. C'est des lieux qui sont ouverts et gérés par des artistes. Nous, on est là un peu pour mettre de l'huile et faciliter un rapport aux institutions. Mettre notre savoir-faire en gestion de collectifs, d'organisation de chantiers collectifs qu'on a à Yes We Camp, mais on essaye d'abord que ce soit un lieu fait par et pour les artistes.
Mais on est aussi dans une logique de tiers-lieu. Moi, la manière dont je le présente souvent, l'approche artistique à Yes We Camp, ça serait une approche qui serait plutôt permaculturelle. Là où la monoculture, ça serait un lieu d'art white cube, donc le champ de blé, un usage unique. Un lieu permaculturel où c'est les pratiques artistiques à l'ombre du social, de l'architecture, des sociabilités au sens large. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu dans lequel, du fait de la présence des résidents qui portent entièrement à la fois la programmation des expositions selon un principe de commissariat tournant et la programmation culturelle de performance et de concert, avoir un lieu horizontal et dans lequel il y a une qualité qui est présentée, mais c'est aussi un lieu dans lequel, pour les gens du quartier, on peut venir emprunter un transat, pique-niquer, avoir un playground fait par un artiste contemporain dans lequel les enfants peuvent venir jouer, emprunter des raquettes de ping-pong et des raquettes de badminton et un molky. Et en fait, ça n'enlève pas la qualité artistique du propos qui se tient dans les espaces d'exposition. Souvent, on a une petite méfiance en se disant c'est des lieux qui sont fourre-tout, mais c'est fourre-tout dans ces logiques de tiers-lieux. C'est ce qui crée aussi une intelligence et une porosité avec le quartier. Et donc, pour vous raconter un peu, pour illustrer ce mode de gouvernance partagée ou horizontale, par exemple, on avait décidé de laisser le 9e étage, donc 1000 mètres carrés, en espace d'exposition. Et c'est à force de discussion avec les gens que ça s'est structuré de façon en 4 espaces d'exposition scindés, dont chaque groupe a la gestion d'un espace différencié. Il y a un espace qui sera soumis à un appel à projet national pour des résidences et des projets de diffusion, qui sera notamment porté par Voyons Voir et Céline qui est ici, mais aussi d'autres structures occupantes de bureaux police. Il y a un artist run space, donc c'est des artistes qui proposent des commissariats d'exposition à l'intérieur. On a réussi à dégager, donc ils sont assez faibles, mais quand même des budgets pour les aider à produire ces projets-là. Donc ils invitent des artistes à venir montrer leur travail, mais non pas leur travail. Il y a un espace qui est scindé en 3, sur réservation libre, pas de jury, enfin... les artistes sont déjà assez soumis à des logiques d'appel à projet en permanence, donc c'était aussi bien d'avoir des espaces, même si, parce que c'est très hétéroclite dans les profils, même s'il n'y a pas toujours de la qualité, sur réservation libre, la possibilité de montrer son travail, et un espace qui est mis à disposition des partenaires du projet, de structure, voilà, au sens large. Et ça, cette séparation-là, elle n'a pas été pensée, elle a émergé des discussions qu'on a eues en collectif de façon horizontale avec les artistes qui étaient présents. Et oui, le bureau police, c'est très hétéroclite au niveau des profils. Il y a des artistes qui ont des carrières internationales, il y a des jeunes artistes qui sont déjà très implantés dans le réseau marseillais. Et il y a aussi des pratiques plus amateurs, notamment, j'ai cet exemple qui me revient régulièrement en tête, mais un psychiatre, un ancien psychiatre en reconversion, retraité, qui a envie de faire de la peinture et qui a pris un espace. Et ça, c'était à la fois une nécessité, parce qu'on avait une peur de ne pas remplir ces 16 000 m² au lancement du projet, mais ça crée aussi de l'altérité. Et ces altérités-là, elles sont hyper riches d'enseignements de toutes parts. Ça apprend à la fois à ces personnes-là, ça leur permet de côtoyer des artistes qui ont des niveaux de carrière beaucoup plus avancés. Ça permet aussi aux artistes au niveau de carrière beaucoup plus avancé d'être un peu plus humble ou en tout cas tolérant par rapport à d'autres pratiques qu'ils côtoient au quotidien. Quoi. Voilà pour la présentation du projet au global. Et ce projet-là, il nous amène à pas mal de réflexions. La première, c'est un gros projet, hein, vous l'avez compris, 16 000 m². On est l'idée... c'était de faire, de partager avec les artistes la responsabilité à la fois budgétaire, d'aménagement et de programmation de ce projet-là. Donc, ils portent beaucoup toutes ces dimensions-là, puisque, en fait, financièrement, s'ils arrivaient dans un lieu clé en main, hyper bien aménagé, dont la programmation était faite, il faut payer des prestataires et les loyers étaient plus chers. Donc, en discutant avec eux, tout le monde était prêt à mettre de l'huile de coude pour payer des loyers un peu moins chers. Mais... en tant que gestionnaire de structure, on ne peut pas faire le travail d'accompagnement que propose Artagon, par exemple. Et là, on a une réflexion à mener pour la rentrée sur développer des plugins et des add-ons pour que ces artistes-là soient accompagnés par des structures qui ont cette expertise là-dedans. Donc je pense notamment bien leur relayer toutes les formations que vous proposerez. Je pense aussi à Dos Mares, qui ont des superbes logiques d'accompagnement des artistes et des super modules, les inviter à venir les faire à Bureau Police, Curriculum Chromé. Et là,
on a un travail à faire de se pluguer avec les structures qui proposent cet accompagnement d'artistes pour que, en plus d'avoir des espaces de travail, des possibilités de monstration, des possibilités de programmation et des croisements et de la formation pair à pair, parce qu'au final, c'est ce qui se fait beaucoup dans la mutualisation d'outils ou dans les projets faits sur des bouts de table autour d'une bière, puisqu'on a une buvette. L'idée, c'est de la formation pair à pair, mais c'est aussi du coup se pluguer avec toutes ces structures qui sont assez riches sur le territoire marseillais pour accompagner ces artistes-là. Donc c'est une réflexion qu'on va mener à l'entrée. Et ensuite, si on dézoome un peu du projet, je trouve qu'il est intéressant dans plusieurs dimensions. D'abord, la morphologie des formes artistiques et des lieux d'art, elle a été très marquée par les friches industrielles. Donc tiers sectorisation de l'économie, l'industrie s'effondre et les artistes réinvestissent ces marges donc des grands entrepôts. Enfin, c'est le cas à Jeanne Barré, mais c'est souvent des formes où, là on imagine la Biennale de Lyon, les usines Fagor, c'est des formes qui sont très marquées par un patrimoine industriel parce que c'était les réserves de foncier disponibles. Et de fait, il y a de plus en plus de projets de reconversion, que ce soit en lieu artistique ou en lieu, enfin l'épopée, ou même des projets très festifs et un peu business. Il y a de plus en plus de projets de reconversion qui se font dans ces lieux-là, alors que dans un mouvement inverse, on peut se dire l'État qui essaye de porter le mode de travail tiers-lieu, le mode de travail freelance qui généralise et la généralisation du télétravail. Dans un mouvement inverse, le foncier qui peut être disponible dans les prochaines années, c'est soit celui du bureau. Et donc là, c'est la preuve, Bureaupolis, c'est le cas, mais à Paris, il y a Push Manifesto, il y a Souk Machine qui occupe des étages des tours mercuriales dans le 20e arrondissement qui font, je ne sais pas, ils doivent faire 30 ou 40 étages. Donc c'est là, dans les quelques mois qui ont précédé le lancement du projet Bureaupolis, c'est déjà quelque chose qui se voit. Donc comment les pratiques artistiques vont être aussi marquées par des morphologies et des environnements différents qui ne seront pas les industriels. Et en discutant avec des politiques, ils nous disent aussi que le foncier disponible, ça va être les bureaux, mais aussi les espaces de commerce. En fait, tous ces gros centres commerciaux, tous les indicateurs indiquent qu'ils vont plonger. Donc il faudra qu'on se pose la question de comment on invente des lieux d'art dans des morphologies qui sont celles de bureaux et de lieux d'anciens lieux de commerce, quoi. Et ensuite, une des perspectives que ouvre le projet, je pense, c'est la question qui est travaillée par plusieurs collectifs, notamment la Déviation à Marseille, la question de la propriété collective, puisque là, ces opérations d'urbanisme transitoire, elles viennent se nicher entre deux projets urbains, donc un projet qui est abandonné, et là, en l'occurrence, le bâtiment va être détruit, donc elle ne se pose pas du tout la question à Bureaupolis, mais peut-être sur un autre lieu plus tard. Mais des fois, les projets urbains derrière, il n'y a pas de vocation définie à l'endroit. Et on pourrait imaginer engager, parce que pour les artistes, quand ils sont en début de carrière ou en milieu de carrière, il y a une grande mobilité. Et je pense que ça accompagne les artistes, cette mobilité, tout au long de leur vie. Mais il y a aussi des moments où ils cherchent à s'ancrer dans un territoire. Les artistes, ils achètent des apparts parfois, ils ont des enfants et c'est moins facile de bouger. Et l'idée, c'est... Des êtres humains. Hein. Oui, voilà, des êtres humains tout à fait normaux. Et on pourrait imaginer engager en fait des rachats collectifs d'ateliers d'artistes à cette échelle, où souvent on se dit un artiste est propriétaire de son atelier, et on imagine un atelier individuel ou voilà. Mais on pourrait imaginer des formes de rachats collectifs où les artistes sont propriétaires de parts à hauteur de, je sais pas, 40-50% s'ils veulent garder... un pouvoir de choix assez libre sur le lieu. Mais on pourrait aussi penser impliquer les collectivités qui veulent soutenir et pérenniser des lieux de production artistique. Et de la même manière qu'un abonnement à une association, des gens qui viennent et qui voient des expositions qualitatives, apprécient le travail de tel artiste ou apprécient venir voir des performances dans cet endroit ou emprunter du Molki, de la même manière qu'une adhésion à une association prenne des parts à hauteur de 15-30 euros. Et on arrive à cette manière-là à pérenniser des lieux de production à plus grande échelle. Et quand les artistes veulent partir, revendre leurs parts, c'est possible aussi, quoi. Donc ça engage ces réflexions-là. Et c'est vrai que Bureaupolis, ça peut être pour 18 mois. Donc là, on a ouvert officiellement au public en septembre, en juin. Et on finira en juin, puisque le bâtiment sera détruit derrière. Ça peut paraître fou de mettre une énergie pareille avec les artistes qui ont passé 3 mois à ménager leurs ateliers, un travail de communication, d'aménagement, de placo, d'ascenseurs à réparer, parce qu'ils ont leur vie propre et sont complètement fous. Ça peut paraître un peu fou toute cette énergie-là, mais en fait, la plupart des artistes qui sont venus,
ils sont venus pour rejoindre une dynamique collective parce que dans leurs recherches, ils se sentaient quand même régulièrement esselés. Mais aussi en se disant, c'est un peu un billard à deux bandes qu'on fait. On a, nous, eu beaucoup de difficultés à trouver un espace d'atelier. Et la masse critique que forment ces 250 artistes, ça va nous permettre d'engager un discours avec les collectivités et avec des acteurs qui sont en possibilité de débloquer du foncier disponible derrière, quoi. Donc c'est un peu le pari qui est tenu. Et si on y est, c'est assez beau de voir une énergie collective qui est mise comme ça sur un pari... et un saut vers l'inconnu, et on espère voilà, se retrouver en juin prochain. Et à partir de septembre, du coup, on a une programmation d'exposition. On ouvre une exposition dont le commissariat est assuré par Jean-Baptiste Janisset pour Artorama le 28. On a une programmation cet été avec quelques dates en juillet dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Révolté par le Marseille Design Club. Et à partir de la rentrée, on sera ouvert le samedi avec des propositions festives diverses et variées. Donc je vous invite à passer voir. Merci beaucoup. C'est assez passionnant et de savoir un peu ouais, justement ces modèles économiques, comment ça fonctionne et comment les artistes trouvent leur place aussi là-dedans. Je pense que le lien que vous faites aussi sur la question du contrat, de la rémunération des artistes, etc., c'est aussi une façon de réfléchir comment on sort de l'invisibilisation, mais au même titre que d'avoir un énorme bâtiment ou d'être 250 ou... et peut-être que j'irai jusqu'à cette question de travailler avec les gens du quartier qui eux aussi sont peut-être dans le même type de situation de non-représentation dans l'espace public. Voilà. Mais alors du coup on va en continuer mais sur le web une autre forme de visibilité et donc c'est Pauline Fossel pour Art Curator Grid. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Fossel, je suis la fondatrice et directrice donc, de la plateforme Art Curator Grid qui a été lancée en fait, il y a maintenant plus de 2 ans. Mais je vais vous raconter un peu l'histoire de voilà, d'où est venue l'idée. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé en France dans l'art. J'ai toujours été soit en Asie, soit au Portugal. Et j'ai travaillé pour des galeries, un artiste. Et la dernière expérience que j'ai eue avant Art Curator Grid était pour une fondation d'art privé, d'art contemporain privé à Hong Kong. Et donc j'étais directrice du développement, donc je m'occupais de tout ce qui était du fundraising. Et on était 2 dans l'équipe. Donc il y avait une commissaire d'exposition américaine, et donc moi-même. Et ensuite, on travaillait avec plein d'autres acteurs pour monter les expositions. Et en fait, en étant à la fondation, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des manques, notamment au niveau digital, dans le monde institutionnel. Moi, j'étais hyper intéressée de ce qui se passait dans le digital, et je me suis rendu compte que c'était surtout pour le monde et le marché de l'art, mais très peu dans le monde institutionnel. Et en fait, j'aurais eu besoin en fait d'un réseau international. Puisqu'en fait, quand on faisait les expositions, moi j'essayais par exemple de les faire voyager pour partager les coûts de production par exemple, et c'était très compliqué. Donc j'ai réussi à faire voyager des expositions, mais c'était toujours beaucoup, beaucoup de temps et de recherche pour trouver les bonnes personnes, etc. Et il y avait aussi une autre... Pourquoi l'idée d'Art Curator Grid, c'était aussi de se rendre compte que les réseaux sociaux existants sont pas forcément adaptés en fait à notre pratique ou en fait qui sont quand même très centrés sur l'image et moins sur les textes et aussi il y avait un peu une fatigue de ma part de l'algorithme et en fait du coup c'était compliqué de chercher des artistes, de chercher des lieux et en fait on vous montre en permanence qu'est-ce que les réseaux pensent que vous voulez voir et donc je me suis dit ça peut être une bonne idée et donc je suis rentrée de Hong Kong sur Lisbonne donc maintenant je suis basée à Lisbonne et notre ambition avec Art Curator Grid puisque maintenant on est une équipe de 9 personnes basée à Lisbonne c'est de créer un réseau mondial pour le monde de l'art et notamment plus le monde institutionnel. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment comme un réseau social. On a commencé avec les commissaires d'exposition au départ, donc il y a 2 ans.
Et donc aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, les institutions sont aussi invitées, et donc les équipes des institutions. Et l'idée, c'est que vous avez un login, vous avez un profil, vous avez les pages pour les institutions, et vous pouvez découvrir le travail de chacun, vous pouvez partager votre travail, vous pouvez vous connecter entre vous, puisque vous avez aussi la possibilité de vous envoyer des messages. Et on a lancé aussi, il y a quelques mois maintenant, un outil d'exposition en ligne que je vais vous montrer par la suite. Donc les commissaires d'exposition, au départ, pour moi, c'était important parce qu'il y avait peu de choses en ligne. Il y a des associations, évidemment, mais il n'y a pas de réseau comme ça mondial. Vous avez ICA et vous avez le CEA, et dans plein d'autres pays, évidemment, vous avez des associations. Mais je trouvais ça intéressant, en fait, de créer quelque chose de plus global où il pouvait y avoir justement ces connexions plus à l'international. Donc les grandes étapes du développement de la plateforme, donc je vous l'ai dit, ça a été lancé en mai 2019. Donc maintenant, on a plus de 730 commissaires d'exposition qui viennent de plus de 74 pays. Et donc, ce que je vous disais, on a ouvert la plateforme aux institutions et leurs équipes. Et donc ça a été la première chose, la communauté, qui nous a mis du temps à développer, parce qu'en fait, on avance aussi avec les commissaires, donc avec les retours qu'ils peuvent nous faire, ce dont ils ont besoin. Et du coup, on développe petit à petit, en fait, la plateforme. Donc elle est toujours en développement. Toutes les deux semaines, vous avez des nouveautés qui apparaissent. Et ensuite, l'outil d'exposition en ligne. Alors ça, c'est venu pendant le confinement. Donc on avait la possibilité de faire un post d'exposition en ligne, mais ce n'était pas suffisant, en fait. Donc on a développé cet outil où on s'est dit, on laisse de côté l'idée de la 3D, de la visite virtuelle, et on va créer un plan qui reflète la pensée curatoriale. Donc je vais vous le montrer ensuite. C'était ça que j'essayais de vous montrer sur, avec Internet. Et pourquoi, en fait, alors c'est pas juste pour montrer les œuvres, mais c'est aussi pour permettre d'apporter tout le programme de médiation avec l'exposition. Donc si vous voulez, je vous montre, c'est une sorte de plan, vous avez des points et des carrés. Les points, c'est les œuvres, et les carrés, c'est vos documents, enfin c'est les contenus que vous créez pour la médiation. Donc ça peut être du texte, de la vidéo, vous pouvez mettre des interviews, des visites. Des documents de recherche aussi, enfin tout ce que vous souhaitez mettre pour donner plus d'informations aux visiteurs de l'exposition. Donc l'idée, je vais vous montrer la communauté, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez les différents commissaires, vous avez aussi les espaces maintenant sur la grid. Et ensuite, vous avez comme un réseau social. Alors, vous pouvez poster sur des expositions, des archives d'expositions. Ça, c'est sur l'outil que je vais vous montrer. Sur les projets, vous pouvez poster sur des publications, des visites de studio, des interviews et tout autre post qui vous intéresse. Vous pouvez faire des recherches sur la grid. Vous pouvez voir qui vous suivez aussi, parce que vous pouvez suivre les gens. Vous avez les notifications, vous avez votre profil, vous avez le réseau de commissaires, le listing d'institutions et les expos. Donc ça, par exemple, c'est mon profil. Vous avez la bio, vous avez tous les postes du commissaire ou de l'institution. Vous avez l'expertise curatoriale, si c'est un commissaire indépendant ou institutionnel, où est-ce qu'ils sont basés. Et ensuite, ça, c'est des choses qui peuvent changer et partager, etc. Ça, c'est le listing des commissaires. Donc, vous voyez, vous pouvez les suivre, vous pouvez envoyer des messages et vous pouvez rechercher, notamment filtrer par localité, si vous cherchez des commissaires dans certaines localités ou avec certaines expertises. Ensuite, si vous voulez créer un post, donc par exemple, en haut, vous pouvez le partager sur votre page institutionnelle. Et ensuite, c'est remplir en fait toutes les données. Donc, vous avez le texte, le titre, le texte curatorial. Donc là, c'est un post d'exposition. Vous pouvez taguer aussi les commissaires. Et bientôt, on va avoir les artistes. Et donc, en fait, le post d'exposition que vous aurez sur votre page institutionnelle va être aussi sur le profil commissaire, et très bientôt, les profils des artistes aussi.
Ça, c'est le Venue Directory, donc avec les espaces. Ça fonctionne de la même façon. Vous avez à propos l'adresse, tous les liens vers le site internet, les réseaux, etc. Et ensuite, ils peuvent faire des posts. Et l'outil d'expo en ligne, c'est ça que je voulais. Je vais vous en montrer juste plusieurs pour que ça vous donne une idée. Est-ce que je peux vous montrer laquelle ? IACHI, par exemple. Ça, c'est une institution qui est basée à São Paulo, au Brésil. Et en fait, voilà. Donc, l'idée, là, pour IAC, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont fait une exposition digitale d'une publication à l'origine. Et maintenant, ils font ensuite, dans leur espace, l'exposition. Donc, typiquement, là, c'est un peu différent. Ils ont mis à la, enfin, c'est les œuvres, si vous voulez, c'est les photos de l'artiste Sergio Camargo. Et ensuite, vous passez, donc vous avez toutes les informations, vous avez tout sur chaque image. Et ensuite, vous passez d'œuvre en œuvre. Je vais juste vous en montrer. Donc après, vous avez le texte curatorial. Vous avez la liste. Alors, toute la plateforme est en anglais, mais comme n'importe quel réseau social, vous pouvez poster en français. Il n'y a pas de... Voilà, nous, les termes sont en anglais, mais on a plein d'institutions et de commissaires qui postent dans leur langue. Et ça ne pose aucun problème, en fait, parce que c'est chacun poste. Par exemple, là, ils ont posté en portugais d'abord et ensuite en anglais. Ensuite, je vais juste vous en montrer une. Moi, j'ai commissionné parce que comme ça, je peux vous montrer le back-office de l'outil. Donc là, ça ressemblait à ça. C'est un artiste italien. Donc pour le coup, moi, j'avais utilisé les carrés qui sont plus... Nous, c'était plus sur du work in progress. On avait travaillé avec Filippo sur... qui me donne plus des vidéos de comment il travaille à son studio... Voilà, vous avez le détail. Et ensuite, vous découvrez les œuvres. Vous pouvez mettre plus de détails. Et donc, derrière, vous avez le nombre de vues aussi. Vous pouvez la partager. Et ensuite, derrière, ça ressemble à ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez travailler à plusieurs avec l'outil. Vous pouvez avoir les artistes, vous pouvez être plusieurs. Ensuite, vous avez ce petit bandeau où vous pouvez mettre... que c'est votre institution ou l'institution avec qui vous travaillez. Vous pouvez choisir qui le voit aussi, donc que ce soit public, que personne n'ait besoin d'un login sur la communauté pour voir l'expo. Après, vous avez un copyright authorization form, c'est pour toutes les images, pour avoir vous pouvez faire signer les artistes ou etc. ce papier-là et nous l'envoyer comme ça, c'est safe. Et ensuite, vous avez pareil, toutes les infos sur l'exposition. Vous avez le texte curatorial. Ici, vous pouvez bouger les points sur la map où vous voulez. Vous pouvez mettre l'image que vous voulez en background. Et pour créer un point à une œuvre, par exemple, c'est assez facile. Vous allez sur la map et vous créez. Et vous avez toutes les infos sur l'œuvre. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire toute la démo, mais bon, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Retourne ici. Et donc, nos prochains développements, juste pour vous expliquer, la plateforme est gratuite. Tout ce que je viens de vous montrer n'est pas payant. La seule chose où nous, on va prendre une commission, c'est sur nos prochains développements, donc je vais vous expliquer. Mais l'outil d'expo, les profils, les pages, c'est un réseau ouvert et l'idée, c'est vraiment que vous rencontriez, que vous fassiez des connexions. Nous, le but aussi de la plateforme, c'était quand même bien avant le Covid, c'était qu'il y ait des choses qui se passent dans le réel. Et d'ailleurs, vous allez voir, le prochain développement, c'est vraiment lié à ça. Donc, c'est se rencontrer, c'est pouvoir potentiellement faire voyager des expos, voir des nouvelles résidences d'artistes, de commissaires, se connecter, etc. Donc voilà, je pense que c'est important à dire. Et nos prochains développements...
Le premier, bah, c'est, enfin moi, ça m'était assez cher et c'est quelque chose de toute manière qui est revenu encore et encore, que ce soit pour les commissaires français ou étrangers, et maintenant, bah, depuis qu'on a ouvert aux institutions également, c'est comment comment trouver des nouvelles manières de lever des fonds et comment en fait le digital peut aider à ça. Et donc là, on est en train de travailler activement. Et on a déjà des institutions avec nous là-dessus, où en fait on est en train de développer donc un outil de fundraising qui va utiliser, je suis sûre que vous en avez entendu, la NFT, qui ça s'appelle Non-Fungible Token, et en fait c'est lié aux cryptocurrencies. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais en fait c'est un code unique qui est lié à une image. D'accord. Ça a été assez critiqué dans le monde de l'art les derniers mois, mais en fait c'est un outil vraiment brillant parce que ça ne reste qu'un outil pour vendre des œuvres digitales, mais nous en fait on veut l'utiliser pour lever des fonds pour des projets qui se passeront dans la vie réelle. Donc par exemple, il y a une exposition de groupe avec 10 artistes. Il y a la possibilité de vendre avec cette technologie des éditions d'art, mais aussi des tickets pour des classes, pour des visites guidées, pour des visites de studio, par exemple. Et en fait, la plateforme va proposer au public, s'ils le veulent, d'imprimer les éditions. Donc, ils pourront acheter en amont, soutenir en fait la création de l'exposition, parce que ça peut être grâce à eux, ou d'ailleurs c'est pas qu'une exposition, ça peut être une publication, ça peut être une œuvre d'art public, et l'idée c'est d'avoir d'un côté les artistes mais aussi les institutions et les commissaires avec des contenus plus éducatifs, et comment aussi se rémunérer sur tous ces contenus qui sont créés, qui sont des contenus très riches, mais qui souvent sont mis en ligne. Alors, je parle pas de... Il y a plein de contenus de médiation, c'est normal que ce soit non payant, mais il y a d'autres contenus, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ces contenus. Il y a des études et des rapports là-dessus. Et donc, nous, voilà, on travaille là-dessus. Et on doit lancer l'outil en septembre. Et on a déjà plus de 30 institutions et commissaires qui travaillent avec nous pour lever des fonds, ou pour le programme 2022, ou pour une expo en particulier, ou pour une publication aussi. Voilà, et donc la deuxième chose là sur laquelle on travaille, c'est tout le profil artiste. Donc les artistes seront invités par les commissaires et les institutions de la plateforme, et également tous les profils publics, parce que toute notre idée, c'est d'avoir le noyau de professionnels. Et vous avez accès en fait à des fonctionnalités que le public n'a évidemment pas accès. Mais le public a aussi, enfin, il faut aussi qu'on donne des fonctionnalités au public, puisque c'est quand même aussi c'est tout le but de notre travail, je crois, de montrer de l'art au public. Donc voilà, on est sur ces domaines-là actuellement, et je crois que c'est tout. Voilà. Ben, merci beaucoup. On voit que vos pratiques se rejoignent dans les recherches de nouveaux modèles économiques et de quelles formes on doit inventer pour ça, ou quelles formes sont générées par ces nouveaux modèles, je ne sais pas. On va enchaîner sur un nouvel outil, c'est Fouad Bouchoucha, tu viens te mettre, on va rajouter une chaise. Qui va nous présenter Standart. Donc c'est un projet qui mène depuis 2 années et qui peut faire un bon écho sur Arcurator Grid. Je te laisse te présenter. Alors bonjour tout le monde. Je vais me présenter un petit peu avant de présenter Standart. Je m'appelle Fouad Bouchoucha, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait les Beaux-Arts à Marseille aussi, j'ai fait les cinq années. Je suis parti, j'ai fini en 2007 pour faire un post-diplôme à Lyon, et j'ai commencé un petit peu ma carrière artistique de plasticien. Donc je suis représenté par la galerie Éric Dupont à Paris et la galerie Yoko Uoda en Belgique,
et Albert Baronian. Donc j'ai fait beaucoup d'expositions, quoi, ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le post-diplôme, j'ai fait la résidence du Palais de Tokyo à Paris. Et en même temps, pour gagner ma vie, parce que je ne vendais pas assez d'œuvres pour pouvoir manger, donc j'ai travaillé. Et j'ai beaucoup fait de transport d'œuvres d'art, d'accrochage et de réalisation scénographique. J'en fais encore, c'est mon plus gros, c'est ma plus grosse source de revenus, parce que j'ai mis un peu de côté tout ce qui est plastique, parce que c'est la vie, comme tu disais tout à l'heure, j'ai des enfants, donc, et aussi j'ai un peu moins l'envie de bouger. Et ça fait 2 ans que je réfléchis à la chose que je vais vous montrer maintenant, parce que j'ai découvert un outil que tout le monde connaît maintenant, c'est la visite 3D, qui est beaucoup utilisée dans le milieu immobilier. Et ça prend tout son sens maintenant avec le Covid, mais ça fait 2 ans que j'ai réfléchi, parce que l'idée à la base, et que je mène encore maintenant, c'est pas de faire une visite... dans son coin avec une structure, mais plutôt de mutualiser en fait toutes les visites virtuelles. C'est-à-dire que au lieu de faire une visite par exemple pour le 3 Bicef et ensuite pour un autre lieu d'expo, je sais pas moi, le MUCEM, et que ça n'ait pas de lien, en fait c'est plus de le voir à l'échelle d'un territoire et de proposer ce projet-là en fait à une commune. Qui paierait en fait toutes les visites et les mutualiserait. Donc ça c'est un peu utopique, parce qu'après ça pose la question de droit, et c'est ce qui a été le plus lourd en fait dans mon projet, c'était de résoudre cette question là en fait, parce que du coup ça me posait en tant que le statut de diffuseur comme une chaîne de télévision, parce que je devais reverser des droits. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Hélène Vigne qui est là, qui est en fait le bureau Artwork Avocat, et qui en fait qui a résolu un peu toutes ces questions-là, qui a rencontré la DAGP et d'autres structures, de comment en fait reverser l'argent en fait en fonction moi de mes diffusions. Donc en gros, ce serait lié à mon trafic de personnes qui visiteraient les visites 3D, et l'argent serait redistribué via la DAGP. Et si c'est des artistes étrangers, la DAGP s'en charge, parce qu'elle est en lien avec les autres structures en fait. Donc ça a été résolu, et même plus que ça, c'est que la DAGP est prêt à m'aider en fait dans cette démarche là de diffuser en fait les œuvres des artistes, sans que pour moi ce soit trop lourd la partie que je dois payer avec la structure standard. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble après, vous savez. Je pense que... Voilà. Ben, ça tombe bien, parce qu'on est au 3 Bicef et j'ai déjà fait une captation ici. Alors... Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que... Bon, voilà, je vais présenter ça. Donc là, on est au 3 Bicef, et c'était pour une exposition organisée pour le festival, je ne sais plus, en fait, j'en fais tellement. Merci, chronique. Voilà. Et ouais, merci. Et donc, du coup, voilà, on peut se balader dans le lieu. Vous avez tous vu ça. Bon, là, ce n'est pas un très, très bon exemple, parce que ça, vous savez comment ça fonctionne. Je vais vous en montrer une autre, là. Celle-là. Donc moi, j'utilise Matterport, et il y a aussi un autre calque qui vient par-dessus qui s'appelle Tridis, qui m'offre beaucoup plus de possibilités. En fait, je peux justement après gérer une bibliothèque avec les artistes que je rentre à l'intérieur. Par exemple ici, au R4 à la Friche Belle de Mai, il y a tous les artistes qui sont dans l'expo. Et quand je clique dessus, je ne sais pas, je vais prendre...
Eva Medine, si je clique dessus, ça m'amène directement devant son œuvre. Ce qui, par la suite, donne naissance à une plateforme qui est la plateforme standard, où en fait, tout est rangé par artiste et par exposition numérisée. Donc en fait, le fantasme, parce que ça peut avoir encore lieu, et justement c'est en bonne voie avec la ville de Marseille, c'est d'avoir tout le contenu d'une ville sur une année, en fait, en rentrant le nom de l'artiste, soit le nom de l'exposition, ou soit carrément le lieu. Donc si je vais dans l'exposition, ici, on peut voir toutes les expositions que j'ai numérisées. Et quand on va sur artiste, on a tous les artistes. Par exemple, Gérard Trancandi, je clique dessus. Et en fait, on a un petit texte. Et ici, on voit l'expo dans laquelle il apparaît. Ça s'appelle Papier. Et c'était chez... j'ai un bug. Marc Ferro. Merci. Et là, on voit qu'il y a une erreur. Parce que M. Prisset n'a pas fait la mise à jour. Non, chez Arcos, c'est là. Et c'est censé nous amener ici, devant Arcos, l'exposition qui est démontée, je crois, maintenant. Voilà, c'est ça, merci. Je suis désolé, hein, Jean. Ah oui. Je confonds toujours les deux quand j'ai les mails. Voilà. Et donc, vous avez pu... Après, voilà. Après aussi, on a cet outil-là qui est pas mal, qui est proposé par Tredis et dont je vais me servir. C'est qu'on a les statistiques, en fait, de tous les... par lieu d'expo et par aussi temps passé sur les œuvres. Là, c'est les statistiques de American Vintage, pour qui j'ai fait une captation qui a très bien marché. Il y a eu 3000 visiteurs en 3 jours. La force du commerce, de la mode. Et ça, c'est le prix, en fait, photographique de la Villa Noailles et du prix American Vintage. Du coup, comme ils ne pouvaient pas faire l'expo, ils m'ont appelé pour faire une proposition. Je leur ai proposé de faire une exposition en plein air, puisque vu que ce n'était pas censé accueillir du public. Et comme je monte les expos, je les démonte et je fais de la réalisation scénographique, là j'ai tout fait. J'ai fait la projection des images, l'accrochage, la captation 3D. Donc ça peut aussi donner des idées par la suite, c'est-à-dire d'imaginer des expositions qui ne sont pas forcément... on n'a plus la contrainte du public, en fait. Si elles sont destinées à ne pas être vues par le public, on peut imaginer de faire une expo dans une grotte où il n'y a plus de normes de sécurité ou de quoi que ce soit. J'avoue que c'est quand même quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire... Si la boîte standard, imaginons, engendre beaucoup d'argent, c'est quelque chose que j'aimerais faire proposer à des curateurs, d'imaginer une exposition avec le fonds, je ne sais pas, de la ville, de la CPM à Marseille, de faire une expo à l'endroit qu'ils veulent. Et du coup, même en termes de budget, on a l'accrochage, le décrochage la même journée et on a l'exposition. Ce n'est pas censé remplacer des vraies expositions. C'est juste... Là, l'idée, en fait, de l'archive, de savoir aussi le fantasme, de se dire, eh ben voilà, qu'est-ce que la ville, qu'est-ce qu'un territoire a proposé cette année, et on peut voir qu'une structure, je ne sais pas, moi, comme Photokino peut être aussi importante que le MUCEM dans ce qu'elle propose, et même carrément avoir le chemin d'un artiste. Que le FRAC, en fait, l'artiste, il a été montré plusieurs fois ailleurs et que ça montre aussi l'importance de la diversité des lieux d'exposition. Que dire de plus? Il y a un autre volet qui m'intéresse beaucoup, mais qui prendra naissance après la signature avec la ville de Marseille. C'est le volet public, médiation, en fait.
où tout le contenu de ces expositions, je peux l'adapter en fait en fonction de qui va la voir. C'est-à-dire une classe de 5e, on peut faire un contenu pour les classes de 5e. Et aussi un autre outil qui est super intéressant, c'est que je peux inviter n'importe qui, comme un appel téléphonique, à venir dans la captation 3D et 30 personnes peuvent se connecter et poser des questions. Et la personne vous répond en vidéo live, c'est en direct. Et toutes les questions sont posées à côté en transparence par les 30 personnes du groupe. Donc on peut imaginer une exposition qui a eu lieu 5 ans en arrière avec un curateur qui est, je ne sais pas moi, en Suisse et parler à une classe de 5e à Marseille. Ça, c'est, je trouve ça super bien. Ça, c'est une autre concentration. Et c'est aussi le nerf de la guerre, c'est un budget qui est carrément moindre que de faire venir quelqu'un pour parler d'une exposition à travers un livre ou des diapositives. Là, on est dans l'exposition et on peut faire un tour avec lui. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Que dire de plus ? Rien. Comment ? C'est quoi le coût ? Le coût de quoi ? Pour la réalisation de l'objet. Ça dépend, je peux vous faire un prix. C'est... Ouais. Non, mais par exemple, parce que... Ben, le coût, en fait, pour les structures, le coût, ici, ben, c'est gratuit, en fait. C'est le territoire qui paye. En gros, il n'y a pas de cachotterie. Mon projet, en fait, pour capter 220 expositions, une base de 220... Pour le territoire marseillais, après, le 3Bicef, c'est particulier, parce que c'est aussi Aix-en-Provence, et c'est un contrat, c'est quelque chose qu'il faut que je négocie avec eux. Mais pour à peu près 210 expos, c'est un budget, moi, pour ma structure, de 350 000 euros. Donc ce n'est pas non plus énorme avec la gestion de la plateforme. Et la gestion de la plateforme, c'est une gestion uniquement de l'archivage. Pour le reste, il y a le pack. Voilà. D'accord. Ça fait à peu près 1006 par expo, c'est ça ? Oui, sauf que ce n'est pas les structures qui payent cette somme-là. Ouais. Et surtout qu'en fait, c'est pas exact. Ouais, parce qu'après, il y a aussi la gestion de la plateforme qui est super importante. Oui. Qui demande un employé en permanence, ouais. Pour gérer aussi les plannings, même moi, les plannings de captation. Ouais. Parce que ce qui est pas mal, c'est qu'une exposition, ça dure un moment. Ouais. Et qu'en fait, on convient d'un rendez-vous à chaque fois. En sachant que moi, je ne vous demanderai, ou du moins, je ne sais pas si vous êtes une structure, je ne demanderai rien aux structures, en fait. Si je viens, tout doit évidemment fonctionner. C'est pour ça qu'on prévient la structure qu'on vient pour faire la captation 3D. Mais je vous demande aucun document en fait. On a un petit logiciel avec un appareil photo où on prend en photo tous les cartels et nous on fait ensuite, on insère très fidèlement à la réalité le contenu. Et je vois la question arriver pour la vidéo et tout ça. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de vidéo, on met pas la vidéo. S'il y a une vidéo dans l'exposition, on ne va pas la mettre. Dans la visite virtuelle, à la rigueur, c'est une image, et ça, ça va convenir en direct quand on vient faire la captation. Mais il n'y a pas de... Mais l'image, elle pourrait être potentiellement cliquable et ouvrir un player ? Non, parce que ça, c'est trop de travail pour moi. Ouais. Et c'est possible de le faire parce que je l'ai fait avec Seconde Nature, c'est pas un problème, mais c'est que c'est difficile à gérer et que c'est pas du tout les mêmes tarots que je vais négocier avec la ville. Et je vois pas, moi personnellement, en tant qu'artiste, l'intérêt de mettre une vidéo qui est dans une exposition, ça perd tout son... Dans la plupart des cas. Du temps, c'est pas pareil, c'est pas... Après, c'est pas vraiment... Ça peut être un teaser, ou... L'idée, c'est que ça remplace l'objet, l'outil remplace pas l'exposition, et du coup, le problème que pose la vidéo, c'est comme si tu as accès pleinement à l'œuvre. Et que... Pour les questions de droit, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je comprends. Je pense que si je peux me permettre, il y a vraiment cette histoire de créer une archive de tout ce qui s'est passé dans chacune des structures. Ouais, ouais. Et que tu peux faire défiler, tu pourrais dire même sur 10 ans, cette expo, il y avait eu quoi ? Et quand tu parlais d'un invité, justement, il y a un peu cette question de. Je sais pas si tu écris un texte sur une expression, tu peux aussi te référer à des choses. Mmh. Il y a la question de l'archive, mais peut-être que tu n'as pas parlé de la question de
du monteur ou du commissaire d'expo. Ah oui, alors, parce que voilà. Pour moi, c'est un peu l'outil avant l'expo ou après. Ouais, après, c'est vrai que j'ai plus tendance à parler de ce qui va faire vivre la boîte standard, qui va générer de l'argent. Après, c'est évident qu'à la base, cet outil, moi, je l'ai réfléchi en tant que professionnel, c'est-à-dire aussi bien en tant que curateur, que monteur d'exposition, que transporteur, et que aussi d'avoir une visibilité sur une œuvre. Je ne sais pas, pour ceux qui organisent des expositions, on ne sait jamais les tailles, on ne sait jamais si c'est avec le cadre, pas le cadre, si l'objet pèse tant de kilos. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je trouverais ça génial, en fait, parce que cet outil me permet aussi de le faire. C'est aussi de capter tous les lieux, en fait, qui vont être référés dans Standard, je vais les capter à vide. Où, en fait, on peut se balader à vide dans les expos, et aussi je vais mettre des tags. Les tags, c'est les petits plus là, que vous voyez qui actionnent des choses. Là, c'est des images, quand ça capte bien. Voilà. Mettre la nature des murs. Il y aura la nature des murs, c'est-à-dire si c'est en médium, si c'est doublé en 19, si c'est... C'est plus que SketchUp. Et c'est surtout que n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît pas SketchUp, peut le faire marcher. Donc je vais vous montrer voilà, par exemple ici. Là, vous voyez, on peut se balader. D'un coup, je vois Eva Medine. C'est super mignon. Je veux mesurer. Je peux faire ça. Je peux mesurer, en fait, de là à là. Ah, je vois trop bien le sol qui fait 2 mètres. Mais pas que. Parce que aussi, je peux mesurer aussi, par exemple, de cette ligne dans l'espace vide. Si je veux savoir la transversale jusqu'à l'angle de ce mur-là, ça fait 5,60 m. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous voyez la ligne. En fait, je trouve ça super comme outil pour les professionnels, parce qu'on peut se projeter aussi. Voilà. Après, on développe aussi autre chose. Moi, je développe rien personnellement, parce que j'emploie quelqu'un qui réfléchit à ces questions-là. Et qui réfléchit aussi avec Trigis, qui est en fait une toute jeune boîte israélienne, avec qui on a un rapport particulier parce qu'ils viennent juste de commencer, à réfléchir sur des outils pour avoir les bonnes, pour mesurer en fait une sculpture, de savoir de là à là ça mesure combien, de lui mettre en fait sa masse, par exemple dire elle est en bronze, eh ben on peut savoir avec un calculateur très rapidement. Combien ça pèse. Mais ça, c'est dans un second temps. On va faire les choses dans l'ordre. C'est déjà de capter tout le territoire, de le montrer. Et ensuite, moi, je prendrai tout ce temps-là, en fait, parce que ça fonctionnera sans moi. En fait, c'est déjà prévu que ça fonctionne sans moi. Et moi, je vais développer des choses dans ce sens. Voilà. L'année de captation de Marseille là-dessus, c'est pas 2022. Ben, alors, c'est un secret pour personne, mais il y a Sébastien Cavalier qui part en septembre. Et du coup, on attend que... C'est toi qui le rends ? C'est toi qui le succèdes ? Non. Non, pas du tout, non. Et du coup, ça va être... J'espère que ce sera pour octobre. Voilà. Après, j'ai vu tous les interlocuteurs... J'ai vu Monsieur Ray, j'ai vu Monsieur Coppola, j'ai vu tous les directeurs des musées, parce qu'aussi je les vois très souvent, parce que je suis auto-entrepreneur et je travaille beaucoup avec la société AG, qui fait tous les transports de la ville et tous les accrochages d'œuvres d'art. Donc c'est des gens que je vois régulièrement et je suis très au courant de ce qui se passe, même chez vous, parce que j'ai livré une pièce très très lourde qui m'a cassé le dos il y a 2 semaines. Ouais, à la panacée. Voilà. Donc on se connaît, mais je sais ce que vous faites, et voilà. J'ai les codes de vos potes. Non, mais c'est vrai, parce que j'aime bien dire ça, je suis un ouvrier de l'art contemporain. Voilà. Et je m'en cache pas, je suis fier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que c'est clair. Alors c'est tout en streaming, en fait, c'est basé sur des serveurs qui ne sont pas ici, qui sont aux États-Unis, et je ne sais pas exactement combien ça pèse parce que c'est hébergé chez Matterport. Mais en gros, pour avoir une réunion avec eux,
ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de limite. Ça veut dire qu'on peut être, ils me l'ont clairement dit, hein, 1 million de personnes au même moment sur la même exposition, ça ne va pas cracher. J'en ai aucune idée. Je paye un abonnement professionnel et ils gèrent, je ne sais pas du tout ce que... Après, c'est très obscur parce que... Parce que, en fait, eux, en fait, c'est pas mon ordinateur qui calcule la 3D. C'est-à-dire, je fais une captation avec la caméra, et ce contenu, en fait, c'est toutes ces données, je les envoie à Matterport et me font un retour 12 heures après. C'est-à-dire, c'est pas moi qui calcule. De toute façon, il me faudrait une centrale nucléaire pour le calculer. C'est très très lourd. Voilà. Donc, j'ai pas l'information de combien ça pèse parce que c'est, ça n'a pas d'incidence ou ça ne me sert à rien de le savoir. Bien sûr, mais ce sera toujours mieux qu'un camion qui va chercher des œuvres. Et je suis le plus à même, je le vois tous les jours en fait. Hein. Emballer une œuvre, la déballer, jeter l'emballage. On la transporte de la CPM, on la mène à Gay-Lussac. On a jeté... donc ça, franchement, j'ai de la marge encore. Ouais. On fera un petit tour de questions après, mais merci pour cette intervention. C'est à toi, Marine. On va parler encore de transport, de mobilité internationale. Bonjour à toutes et à tous. Si ce n'est pas gênant, j'aimerais bien vous demander de vous présenter rapidement parce que j'aime bien savoir à qui je m'adresse, en fait, quand je parle. Donc, il me semble qu'on a encore un peu de temps. Donc, si chacun, on peut juste faire un rapide tour de salle pour dire prénom, nom et une structure, si vous en présentez une ou plusieurs ou aucune, ça me plairait bien, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Voilà. La Sage FAC. La communication. Donc, faut être en même temps tout à l'heure. D'ailleurs, Céline Gisseri, directrice de Voyouvoir. Et c'est où ça? C'est de la vie, parce que je suis pas du. C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok, je suis pas du sud, malheureusement. Donc, Béatrice Béard, responsable de l'Artothèque intercommunale. Territoire Ouest Provence, donc Miramasi. Léa Monique, Europolis. Léa Mouga, je travaille pour l'ESCAN sur les questions de programmation culturelle et à Europolis sur la gouvernance avec les occupants et la programmation. Association Perspective avec. Laurence Nord-Bancel, LM Studio AIR, résidence galerie, résidence d'artiste galerie d'information. Karine, je suis éditeur, je suis curatrice indépendante. Aude Albert, et je suis la chargée de projet de l'association Voyons Voir, donc je suis arrivée avec ses plus. Je suis Christophe Arcos, Provence Art Contemporain. Coralie Dupanchel, Centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs, à Aubagne. Kira Safriwin, directrice de l'Urban Gallery Marseille. Diane Pigeot, directrice artistique du Centre d'art des Trois Bicêtres à Aix-en-Provence. Bienvenue. Magali Abessou, je suis curatrice indépendante et récemment invitée à l'Artagon comme présidente. Marie de Dolzac, je suis commissaire d'exposition à Prien-Ouest-Télé et je suis chargée des résidences artistes. Elisabeth, je suis stagiaire au PAC. Dalia Messara, je suis chargée de mission enseignement supérieur culture au sein de la direction régionale des affaires culturelles de la région PAC. Soumya Benjedir, moi aussi, je fais des podcasts. Mais je suis aussi ici aujourd'hui pour parler de ça. Donc, moi, je m'appelle. Ça va, vous m'entendez avec le micro? Super. Donc, moi, je m'appelle Katie Carigi-Watts.
Et je suis ici aujourd'hui dans le cadre de mon travail avec On The Move. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, comme vous entendez peut-être, j'ai un petit accent charmant. C'est parce que j'ai grandi en Californie et je vis et je travaille en France depuis une dizaine d'années. Et je suis ravie d'être là. Et voilà, je vais faire de mon mieux pour vous présenter On The Move. J'ai intégré l'équipe il y a 3 semaines, donc c'est tout nouveau. Mais voilà. Et puisqu'on va parler de mobilité et de relations internationales, j'ai précédemment travaillé pour le spectacle vivant. Et j'ai travaillé notamment pendant 4 ans pour une association basée à Paris qui s'appelle l'Office national de diffusion artistique, où j'étais en charge des relations internationales. Et c'est dans le cadre de ce travail-là que j'ai fait connaissance de On The Move, puisque Landa est l'un des membres de ce réseau. Mais ça, je m'avance un petit peu. Donc j'ai un petit PowerPoint à vous montrer. Je vais ouvrir tout de suite. Hop. Voilà, donc On The Move... Donc, c'est un réseau d'informations sur la mobilité culturelle qui existe depuis une vingtaine d'années. Il a d'abord été un projet commencé par l'IETM, qui est un réseau international des arts du spectacle. Et puis, il est devenu une association indépendante vers 2005. Et aujourd'hui, c'est une association internationale basée à la fois en Belgique et en France. Donc c'est un site web, c'est aussi un réseau avec plus de 50 membres partout dans le monde. Et même si depuis ces 21 années d'existence, la structure et la dimension d'On The Move ont quand même pas mal évolué, la mission du départ est restée et c'est celle de rendre accessible de façon régulière et gratuite des informations sur la mobilité pour des professionnels de l'art et de la culture. Donc, il faut savoir qu'on a une vision assez large de ce que peut être la mobilité et c'est toute expérience qui permet, enfin, c'est tout ce qui permet d'avoir une expérience dans ou avec des personnes dans notre territoire ou dans notre pays. Et puisqu'on est sur quand même des professionnels de l'agriculture, c'est quand même souvent dans un objectif de développer son travail ou son réseau. Voilà, donc ça c'est l'adresse du site, donc onthemove.org. Si vous avez vos téléphones ou portables avec vous, vous pouvez aller sur le site en même temps que je vous parle, ça me gêne pas du tout. Voilà, ça, et du coup... c'est assez chouette que je puisse être là aujourd'hui pour vous le présenter parce qu'il y a un lancement du nouveau site il y a 3 semaines à peu près, donc avec quand même une qualité graphique qui est nettement améliorée. À mon avis, c'est un projet qui était piloté par un collègue à moi, John Ellingsworth. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de garder une simplicité dans l'accès à l'information pour qu'on ait besoin de passer le moins de temps possible sur le site, puisque On The Move, c'est surtout un relais d'informations. Et l'idée, c'est que vous pouvez trouver de façon assez rapide et simple ce que vous êtes venu chercher sur le site. Voilà, donc moi, les deux choses qui vont vous intéresser le plus, c'est l'aspect news et l'aspect ressources. Donc je vais d'abord parler des news et si vous cliquez ici, ça revient à la même page. Et ça, c'est des appels en cours, tout simplement. C'est actualisé quasi tous les jours, en fait. Là, en ce moment, j'étais sur le site hier, il y a 68 appels ouverts. Donc c'est des appels divers et variés. Ça peut être... pour des résidences, des propositions de financement de projets, des demandes pour des appels à projets pour des projets de commissariat. Ça peut vraiment être très très vaste. En fait, le type, il est, comme vous pouvez voir, ça c'est le type d'appel. Toujours un date butoir. Voilà, c'est un deadline à tenir en compte. Et puis, évidemment, là, je ne suis pas sur le site en lien, mais si vous cliquez dessus, là, vous arrivez sur une page qui est la page de l'appel en question.
Et c'est bien de savoir. Là, vous verrez, on met toujours en valeur ce qui est financé. Donc, voilà, là, par exemple, c'est le cas ici. Et c'est parce que notre politique éditoriale à On the Move, c'est de ne parler que des opportunités financées, même partiellement, y compris pour des choses qui se passent en ligne, parce que quand on parle de mobilité, et surtout à l'ère post-Covid, si on peut considérer qu'on est post, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, suite à cette fameuse pandémie, voilà, c'est... On peut être sur un format qu'on appelle classique, donc présentiel, des formats plus en ligne. Donc la mobilité, là on est plus sur un aspect de collaboration avec différents pays, ou des formats hybrides. Ça existe aussi pas mal. Mais voilà, peu importe le type de format, on est toujours sur des... notre politique éditoriale, c'est de ne montrer, de ne diffuser que des appels qui sont financés au moins une partie. Voilà. Donc, s'il y a rien du tout qui est pris en charge, que ce soit en termes de coûts de voyage, d'hébergement, des honoraires, etc., on ne publie pas. Voilà. Et petite chose quand même à savoir, c'est que 70% de nos appels sont liés au territoire européen. En gros, voilà. D'une façon ou d'une autre. Donc, vous avez peut-être vu que le site est en anglais. Je sais que ce n'est pas la langue du travail de tout le monde. Donc, il y a une très bonne chose à savoir, c'est quand vous êtes sur la page d'accueil dans le MOOC, tout en bas, vous pouvez souscrire à notre newsletter, qui est édité en plusieurs langues dans une newsletter en français. Donc, et il faut quand même savoir que le newsletter qui existe en français, il n'est pas uniquement une traduction du newsletter en anglais. C'est quand même spécifique à la France, avec des appels choisis spécifiquement pour des professionnels français. Et tout ça, bien évidemment, c'est grâce au ministère de la Culture. Voilà. Et il me semble que le newsletter est mensuel, à peu près. Donc, si... Voilà. Et oui, il y a aussi parfois des offres d'emploi. Donc, c'est vraiment très divers et varié, tout ce qu'on publie. Voilà, maintenant, je vais vous parler de notre page, de nos ressources, qui sont un peu plus pérennes en termes en termes d'intérêt, peut-être, pour vous. Donc, le premier, c'est nos guides de financement de la mobilité. Donc, c'est des guides de financement qui sont classés par région et par pays. Donc, c'est à la fois la mobilité entrant et parfois aussi la mobilité sortant. Mais il y a notamment une guide de financement pour la France qui est actualisée chaque année, encore une fois, avec l'aide du ministère de la Culture, et qui est en français. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le télécharger sur le site de On the Move. Voilà. Ensuite, on a aussi des ressources qu'on appelle notre bibliothèque, nos collections. Et ça, c'est des guides. Oui, c'est des guides avec souvent un thématique spécifique. Donc, ça peut être, par exemple, évidemment, quand on parle de mobilité, souvent on parle des questions environnementales, l'impact écologique. Mais ça peut aussi être au croisement d'autres questionnements qui sont dans le monde de l'art et de la culture, la question de l'accessibilité, du handicap, des réfugiés, parfois des dossiers très spécifiques sur des choses qui sont dans l'actualité, comme le Brexit, par exemple. On a beaucoup de guides et de ressources qui vont parler de ces questions spécifiques. Et en termes pratico-pratiques et aussi en termes de réflexion sur ces questions. Voilà. Et tous ne sont pas traduits en français, mais quand même, certains le sont. Donc, voilà. Et il y a aussi un troisième point sur notre site, sur notre partie ressources. Comme je vous ai dit, On the Move, c'est aussi un réseau.
avec plus de 50 membres partout dans le monde. Et au sein du réseau, dans The Move, les membres sont quand même plutôt très actifs et il y a différents groupes de travail au sein du réseau. Et le plus ancien est celui qui s'appelle Mobility Info Points, donc les points d'information sur la mobilité. Et il s'agit d'une liste de membres qui sont des références dans leur pays sur des questions administratives en tout ce qui concerne la mobilité. Donc, par exemple, si vous êtes une commissaire indépendante et que vous êtes invité à faire une résidence en Jordanie, par exemple, et que vous avez des questions par rapport à si c'est compliqué administrativement, bah, vous pouvez éventuellement aller sur le site dans The Move et voir s'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre en contact parce que c'est compliqué au niveau des visas ou j'en sais rien. Voilà. Et il y a bien évidemment une organisation en France, donc c'est MobiCulture qui est gérée par une femme formidable qui s'appelle Anaïs Lukács. Voilà, et donc c'est vraiment là pareil. Si vous êtes sur la mobilité entrante, par exemple, vous invitez un artiste dans notre pays, pareil, vous avez des questions administratives, vous rencontrez des soucis au niveau de la paperasse, vous en sortez pas. Vous pouvez tout à fait vous rapprocher de MobiCulture, qui est une association d'utilité publique et qui est là pour répondre à ce type de questions. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux. Évidemment, je vais vous inviter tous à vous inscrire à la newsletter, à aller faire un tour sur le site. On y trouve quand même pas mal de choses. Je sais que moi, quand j'ai travaillé à Londres, j'ai souvent conseillé à des gens d'aller faire un tour sur le site. Parce que c'est quand même assez riche en termes d'informations. Voilà, et je vais juste vous parler aussi de deux derniers points, parce que On The Move fait aussi des activités qui sont peut-être un peu moins visibles du grand public, mais qui sont quand même des activités importantes. Donc il y a d'abord l'accompagnement. Donc On The Move ne fait pas d'accompagnement direct à des individus, mais dans le cadre des collaborations, on peut le faire avec d'autres organisations. Il me semble que PAC fait partie d'un programme d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que PAC fait partie d'un programme et c'est les acteurs qui sont identifiés par PAC qui peuvent bénéficier d'un accompagnement On The Move. Donc, ça, c'est, on a aussi, par exemple, pour parler plutôt des organisations qui vont vous parler, on a aussi fait pareil avec le FRAP, que beaucoup d'entre vous connaissent, il me semble, et l'École du Sud, qui est le réseau des écoles supérieures d'art de la région de Bacon. Voilà. Et peut-être pour terminer, un petit point sur... Parce qu'on est aussi... De fait de nos activités et d'être aussi un centre de collecte de plus d'informations et aussi de recherche et de publications. On est aussi un peu en observatoire en termes de tout ce qui se passe sur la mobilité dans le monde culturel et artistique du sens large. Donc, on va quand même... Enfin, vous le savez, hein, l'espace international est en pleine mutation. C'était déjà le cas avant le Covid. C'est toujours le cas, ça va continuer à être le cas, je pense, pendant les années à venir. C'est peut-être intéressant de vous dire que le site n'a jamais été autant visité qu'en 2020. Donc, malgré le fait que les gens ne pouvaient pas se déplacer physiquement, il y avait quand même une forte demande de la communauté internationale de rester connectée et de penser ensemble qu'est-ce qui va être la mobilité de demain. Comment on va continuer à collaborer ensemble, à réfléchir ensemble, malgré le contexte actuel. Voilà. L'appareil, ça peut-être pas vous choquer, mais on va quand même dire que, enfin, c'est une crise qui a montré. Les grandes inégalités d'accès aux ressources sont d'autant plus fortement révélées, en fait, par cette crise-là.
À la fois au niveau, à des niveaux plus locaux, mais aussi au niveau international, parce que c'est peut-être moins le cas en France et dans les pays riches en général, mais c'est vrai que internationaliser ces pratiques professionnelles est aussi une manière de repérer, de repérer ce qui n'existe pas forcément au niveau national pour beaucoup d'artistes ou d'autres types d'acteurs du monde culturel comme les commissaires en termes de soutien, mais aussi en termes de formation, de coproduction, de partenariat, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un groupe de travail sur Mobility Info Point. Il y a aussi un groupe de travail au sein des membres qui travaille sur la question de la mobilité forcée. Donc, c'est-à-dire qu'on a souvent, on a tendance à penser mobilité comme c'est chouette, je voyage, je rencontre tout le monde, etc. Il y a des gens qui sont mobiles parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Donc, on est aussi sur ces questions-là. Évidemment, il y a la tendance numérique. Voilà, je suis aussi ici présent avec des gens qui le pensent très bien. Donc là, en termes de digitalisation de la mobilité, c'est vrai que c'est des nouveaux espaces, des espaces qui, pour beaucoup, sont très intéressants et qui, voilà, mais avec quand même souvent des mêmes dynamiques derrière, le même type de pays qui financent, etc. Donc, on est aussi un peu attentif à ce que tout ce qui était peut-être, ce que nous, on trouvait peut-être moins bien en termes d'enjeux politiques et de pouvoir, que ça a tendance à être reproduit aussi à l'espace numérique, même s'il y a des gens qui travaillent aussi sur cette question-là. Voilà, il y a aussi, de façon un peu plus large, la question des impacts environnementaux. Voilà, ce n'est pas une question nouvelle. Pareil, je pense que c'est les événements de ces dernières années ont montré que le monde de l'art et de la culture a une attention de plus en plus sur ces questions-là. La mobilité est quand même pour beaucoup, quand on parle de mobilité des personnes ou, comme Foy disait tout à l'heure, la mobilité des œuvres. Ça a un impact. Voilà, c'est une question sur laquelle On the Move travaille depuis déjà une dizaine d'années parce qu'ils ont le premier guide du financement, le premier guide qui parlait justement de ces questions-là a été créé en lien avec une organisation basée à Londres qui est très très spécialisée sur ces questions-là qui s'appelle Julie's Bicycle. Donc ça, c'était déjà il y a 10 ans. Bon, les choses ont quand même évolué depuis avec notamment des soutiens qui sont plus contextualisés. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas la même chose pour un artiste qui vit sur un territoire où il n'y a pas un réseau de train adéquat et donc, du coup, n'a pas d'autre choix, par exemple, que de prendre l'avion. Donc, voilà. Et de façon générale, en parlant avec Marie Lesourd, qui est le secrétaire général d'On the Move depuis assez longtemps, on disait que à l'avenir, la mobilité, ça va vraiment devenir un enjeu de solidarité et de justice et d'équité dans les relations internationales, encore une fois, entre ceux et celles qui ont le choix de mobilité et ceux qui sont forcés à le faire pour des raisons souvent économiques. Voilà. Et terminer sur un dernier point, puisque c'est quand même très lié au monde des arts visuels, justement, c'est que cette crise révèle l'inégalité des représentations des différents secteurs artistiques au niveau politique, que ce soit au niveau national ou international, au niveau européen, par exemple, que, on voit on the move que le secteur des arts visuels n'est pas aussi structuré au niveau du plaidoyer et du lobbying auprès des représentants politiques pour défendre ses intérêts, comme peuvent l'être, par exemple, le milieu des musiques actuelles ou autres. C'est que, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite souligner aussi, c'est que c'est une crise politique, c'est une crise économique, et ça nécessite de réfléchir. Nous pensons en tout cas avec les premières personnes concernées, mais c'est en tout cas au niveau des arts visuels, c'est un secteur qui, en tout cas en France, mais pas que, je pense, a tendance à être moins structuré que d'autres disciplines qui sont beaucoup plus structurées pour faire entendre leur voix auprès des représentants et des décisionnaires au niveau politique. Voilà, et puis
Ça c'est moi. Enfin, ça c'est mon nom et mon adresse mail. N'hésitez pas à le noter si vous avez des questions à la suite d'aujourd'hui, si vous voulez vous mettre en contact avec On The Move. N'hésitez pas. Moi, je serais ravie de continuer à discuter avec vous et aussi à vous mettre en lien avec Marie Le Sourd, encore une fois, qui est la secrétaire générale et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va peut-être voir s'il y a des questions. Avant les questions, je vais juste vous remercier tous pour vos présentations et les formes que vous proposez qui sont bien, qui sont issues de regards assez critiques et assez justes, je pense. Voilà, j'ai vu une petite question. On l'utilise pour deux choses. La première, ça va être ça peut être utilisé pour de la photographie, de la vidéo, l'art digital. Mais nous, notre idée derrière, c'était pas d'avoir, c'était pas d'avoir des œuvres uniques, mais d'avoir de l'édition. Parce que notre but, en fait, c'est de pouvoir aider à lever des fonds, mais grâce au public qui viennent voir vos expositions, en fait. Et donc, ce n'est pas forcément un public de collectionneurs. Donc, l'édition, aujourd'hui, ça va être de la sérigraphie, de la lithographie, la risographie, vous allez en faire 100. L'artiste va venir signer, numéroter, et vous allez les vendre potentiellement à l'exposition, par exemple, ou sur votre site internet. L'idée, là, en fait, c'est de faire exactement la même chose, mais via la technologie. Donc, l'artiste a fait son... Alors, ce n'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a évidemment tout un travail de production, quand c'est de la sérigraphie, de la lithographie, etc. Mais là, on proposera l'impression digitale de l'édition. Donc, si vous voulez, vous êtes à Mexico, je suis intéressée par l'exposition que vous avez faite à Marseille. Je trouve que le but est, que vous voulez faire à Marseille. Et donc, j'achète l'édition digitale. Donc, j'ai le fichier digital sur la plateforme Arcurator Grid dans mon portefeuille de ma plateforme. Et je peux décider de l'imprimer et de le recevoir chez moi. Cette impression ne vaut rien, si vous voulez. Ce qui vaut, c'est ce que vous avez dans votre portefeuille sur Arcurator Grid. Mais vous pouvez continuer de vivre avec l'œuvre. Si vous décidez de la vendre, vous pouvez. Et en fait, avec la technologie de la NFT, l'artiste peut continuer de recevoir des royalties derrière. Vous pouvez aussi décider que le commissaire et l'artiste reçoivent. Enfin, après, ça sera à vous de décider. La deuxième chose, en fait, la NFT, c'est juste en fait un code unique qui est lié à un fichier. Donc, ça peut être une œuvre, mais ça peut être aussi juste un ticket de concert, par exemple. Vous verrez que sans doute dans les concerts, ils vont commencer à utiliser la NFT pour vendre des tickets. Ce qui est intéressant, en fait, pour les institutions, ça peut être, par exemple, des tickets qui sont en édition limitée, puisque vous voulez faire une conférence avec 100 personnes. Mais les tickets peuvent être designés par un designer, par un artiste. Ça peut être, vous pouvez faire une collection aussi de tous vos événements éducatifs, par exemple. Et les gens peuvent aussi vous soutenir en se disant « ça, c'est... » ou un poster de l'exposition, par exemple. Vous pouvez mettre tout ça en NFT. Parce que vous aurez un nombre défini et c'est chaque ticket est unique puisqu'il correspond à une place ou à un poster. Voilà. C'est exactement le principe de l'édition, en fait. Si vous voulez, c'est que si l'artiste va faire 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100, chaque personne va avoir il va y en avoir 100, mais chaque édition des 1 sur 100, 2 sur 100 va avoir un code unique, en fait.
Donc, en fait, c'est permettre de vendre de l'édition d'une manière différente sans tout le poids de la logistique derrière. Parce que c'est très compliqué de vendre des éditions de 200, 500. Et par contre, il y a beaucoup de public que ça intéresse d'acheter j'imagine que ça vous est arrivé d'avoir une œuvre pour 50, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça vous permet de vivre avec l'art. Et il y a ces deux idées, en fait. Si vous voulez, dans l'outil qu'on développe, il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée, c'est vraiment soutenir le projet. Parce que vous connaissez le travail de l'artiste ou vous le découvrez sur les réseaux, etc. Donc c'est soutenir un projet et se dire ça, j'ai envie de soutenir, donc j'achète ça. Et après, il y aura l'autre porte qui sera je cherche une œuvre d'un artiste de cette manière-là et en plus, je soutiens un projet, en fait. Donc c'est soutenir la culture, les arts visuels mondialement, parce que vous pourrez chercher, là on va travailler avec une institution en Azerbaïdjan, on va travailler avec une association à Cuba, vous allez avoir en fait une richesse des contenus, et ce n'est pas que du fundraising, l'idée c'est que derrière les institutions, les commissaires utilisent les outils. Donc si vous voulez en savoir plus sur le projet, vous pouvez aller voir les profils, vous pouvez aller voir les profils des artistes, vous pouvez aller voir le concept de l'exposition, parce qu'ils peuvent aussi construire le concept de l'exposition pré-exposition avec l'outil. Donc en fait, c'est aussi avoir tous les contenus autour de cette levée de fonds, en fait. Et comment ils signent ? Donc j'imprime. En fait, ils ne signent pas, ce que vous voulez, dans cette technologie, la valeur de l'œuvre, elle est en ligne. Donc, en fait, moi, c'est personnellement ce qui m'intéresse, c'est de se dire, si vous voulez, moi, aujourd'hui, je vais acheter, disons qu'il y a 10 éditions, on est 10 à en avoir acheté aujourd'hui, il y en a 5 qui ont envie de l'imprimer, les 5 autres, ils le gardent dans leur portefeuille sur Art Curator Grid. Bon, ils n'y touchent pas pour le moment, ils le gardent, ils l'ont sur leur profil, par exemple, s'ils veulent, mais nous, on décide de l'imprimer. On l'imprime avec un imprimeur d'art, on le met sur du Dibon, on le met en cadre, on le met chez nous. Ça n'a aucune valeur, ça n'a pas de valeur monétaire. C'est le prix de l'impression, mais ça n'a aucune valeur. Ce qu'il y a de la valeur, c'est ce que vous avez sur votre portefeuille sur la plateforme. Et si vous voulez revendre, la personne d'après peut continuer d'imprimer. Si vous voulez, il n'y a pas de valeur dans l'impression, la valeur, elle est sur le digital. Et en fait, moi, personnellement, ce qui m'intéresse... c'est pas du copyright, non. C'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est voilà. Non, voilà. En fait, que vous n'avez pas le droit de le vendre, en fait. Mais comme n'importe quoi, par exemple, Voilà, en fait, le non-fungible token, le fungible token, c'est tout ce qui est cryptocurrency. Donc, si j'ai un euro, vous avez un euro, on a la même chose, en fait. Et le non-fungible token, c'est qu'il y a ce code unique et que je ne peux pas échanger mon 1 euro contre une œuvre. Ce n'est pas la même chose, derrière. En fait, ça veut juste dire ça. Et nous, aujourd'hui, si vous voulez, toutes les plateformes de NFT... C'est de l'art digital et c'est pas, ça ne correspond pas du tout nécessairement au travail qu'on peut faire, nous. Et en fait, c'est essayer de trouver un moyen. Et en fait, c'est juste un outil. Après, c'est comment on s'en sert, comment vous en servez. Parce qu'à la fin, nous, c'est pas c'est un outil qu'on vous donne. Alors ça, nous on est en train de... Enfin, on a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Unique Network. C'est une plateforme white label, label blanc. Donc en fait, ils ont toute la structure derrière. Et nous, on va l'incorporer dans notre plateforme. C'est sur le réseau Polkadot, si vous connaissez. Et donc ça devrait être lancé en septembre. Juste pour la petite information, si vous avez entendu parler des NFT, il y a eu énormément de choses dites sur l'impact environnemental des NFT. C'est vrai,
Mais il y a d'autres solutions, en fait. C'est justement la solution qu'on choisit. Si vous voulez, la grosse impact, ça s'appelle... Je vais essayer d'expliquer simplement, mais ça s'appelle proof of work. Parce que quand vous cherchez à créer ce code unique, vous faites travailler en compétition plein d'ordinateurs. Et ça, c'est le gros problème, en fait. C'est ça qui a un impact sur l'environnement assez terrible. Et en fait, il y a des plateformes qui se développent, qui s'appellent proof of stake. Et en fait, c'est une proportion bien moindre d'ordinateurs qui sont en compétition pour créer ce code. Et en fait, nous, on utilise... Oui, voilà. La NFT est une technologie de contrat blockchain. Donc... Oui, derrière, c'est de la crypto, ouais. C'est de la crypto pour acheter de la NFT, c'est en crypto, exact. Aujourd'hui, non, c'est pas forcément de la Bitcoin. Vous avez beaucoup d'NFT qui sont sur une autre monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Mais en fait, nous, c'est notre gros challenge à Articulator Grid, c'est justement de réussir à que n'importe qui, avec une carte bleue, puisse acheter l'œuvre et qu'en fait, derrière, vous ne voyez pas nécessairement qu'il y ait de la crypto. Vous avez des cryptos qui sont comme ça, mais vous avez aussi des cryptos qui sont juste basés sur le dollar US, par exemple. Donc, vous n'avez pas c'est up and down. En fait, nous, notre plus gros challenge, c'est d'en faire un outil facile pour les publics, en fait, qui peuvent venir acheter d'une manière transparente et simple. Et aussi pour que vous utilisez la NFT de manière simple. Là, les premiers projets qu'on va lancer, c'est nous qui allons faire, ça s'appelle minter les NFT quand vous faites les codes. Donc, c'est nous qui allons faire ça. Mais ensuite, ça sera donné aux différents administrateurs du projet, donc que ce soit les artistes. Généralement, c'est plutôt les artistes parce que la royalties derrière, elle est souvent, elle est normalement redonnée aux artistes. Mais la force de cette technologie aussi, c'est que les paiements peuvent être faits comme ça. C'est-à-dire que vous allez acheter l'édition et derrière, l'institution aura décidé, il peut y avoir l'institution et l'artiste, avec le pourcentage. Et chacun va toucher l'argent instantanément dans leur portefeuille sur notre plateforme. Donc en fait, ça évite aussi tous les paiements aux artistes. Quand vous avez des boutiques, par exemple, si vous avez des boutiques en ligne, etc., en fait, ils ont des profils sur la plateforme et chacun est rémunéré à la hauteur que vous choisissez pour la vente. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas évident, mais... Mais je pense que nous, ça fait maintenant 4 mois. Moi, au départ, je voulais faire un outil de crowdfunding parce que je crois vraiment fort dans le fait que les publics peuvent aider avec des petites sommes. Mais j'avoue que quand la NFT est apparue, j'ai vu toutes les critiques et je me suis dit « Mais il y a quand même quelque chose d'intelligent derrière. » Et comment en fait on peut en arriver à en faire un outil pour le monde institutionnel, pour les artistes et en fait qui peut être assez transversal et mondial, parce que je pense que moi personnellement j'adorerais acheter des œuvres même si c'est de l'édition d'art chinois ou j'ai travaillé en Chine longtemps et j'aimerais avoir l'accès à ce qui se passe en Chine, par exemple. Et je l'ai pas vraiment aujourd'hui parce que tout est cloisonné. Et voilà, donc je pense que c'est une technologie à vraiment regarder. Nous, après, notre challenge, c'est d'en faire quelque chose de simple et bien pour vous. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Arcos. Moi, j'avais une question sur Bureaupolis et Artagon. Tout à l'heure, vous avez un peu parlé de prospective et aussi de la genèse de différents projets, de vos réflexifs. Moi, je voulais savoir aussi à moyen terme, sur les 18 prochains mois, une fois que votre première mission là
elle va s'achever. Comment vous avez envie de travailler pour qu'elle se poursuive ou pour qu'elle évolue ou, enfin, voilà, c'est plutôt l'avenir entre les deux, entre le très court terme et le long terme. Où est-ce que vous... En fait, j'étais pas sûr d'avoir compris la question, c'est pour ça que je passais le micro. C'est-à-dire entre maintenant et la fermeture de Bureau Police en juin. Non, plutôt au moment de la fermeture de Bureau Police. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez que ça va s'articuler? Enfin, ce que tu disais aussi, Raphaël, sur le fait que c'est maintenant plutôt l'immobilier de bureau qui a investi, ça replace aussi géographiquement les choses. La friche, elle est plutôt en bordure de, la friche industrielle est plutôt en bordure de ville ou à l'extérieur de la ville. Le bureau est plutôt en plein centre-ville. Donc il y a une place des artistes qui se remet en visibilité là, dans la ville, au sens littéral du terme. Et du coup, voilà, comment ça pouvait se passer, comment ça pouvait évoluer pour vous, comment vous voyez dans 18 mois, dans 24 mois? Alors après, ça reste de la prospective, ça reste de la pensée, parce que là, c'est sûr qu'il y a une baisse des indicateurs sur l'utilisation du foncier de bureau, mais on ne sait pas s'ils sont passagers ou si c'est une tendance de long terme. Et là, ces indicateurs, c'est plutôt ceux de la Défense et de Paris, donc à Marseille, j'avoue que je n'ai pas de données précises sur lesquelles m'appuyer. Et je sais que la ville est en train de faire un audit foncier sur quel est le foncier qu'ils ont de disponible, donc il n'est pas encore fini, mais je ne pense pas que ce sera du bureau. Après, la région propose de mettre les promoteurs, la région, si c'est cette région-là qui continue à être, propose de mettre les promoteurs autour de la table sur ces questions-là, en leur disant que c'est maintenant eux qui ont du foncier. Ils pressentent que il y aura des possibilités d'usage d'espace, mais on en est vraiment à l'amorce des discussions. Et après, là, ce qu'on va faire rapidement à partir de septembre, en fait, c'est pour citer Véronique Tracandi, la tournée des popotes, c'est-à-dire aller voir la région, le département, la ville, et voir s'il y a du foncier. C'est sûr qu'il y aura une logistique d'éménagement assez colossale, puisqu'on a une logistique en ménagement assez colossale. Donc, nous, plus on arrivera à anticiper si une suite est possible, plus on arrivera à articuler entre les deux, quoi. Mais on en est encore au moment de la discussion avec les institutions, là, pour l'instant. C'est vrai, on avait dit un mot également, mais c'était très rapidement. De notre côté, donc, on a, en fait, c'est un programme de 18 mois, mais qui a vocation à perdurer, c'est-à-dire qu'on veut fonctionner sur un système de promotion. Donc là, on a une première promotion de résidente et de résident pour un an et demi, à compter de... On essaie de voir justement où va être la date de départ. On espère septembre, en tout cas, on y travaille avec l'épopée, puisque c'est évidemment lié aussi à d'autres contrats qu'on a derrière avec eux. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle promotion. Donc la question, c'est où ? Donc on a eu une proposition de la part de l'épopée pour une occupation pérenne, puisque nous à la base on avait c'était une occupation transitoire, ce qui nous allait bien puisque ça coûte moins cher, c'est une bonne manière de tester un projet, mais d'un autre côté c'est aussi un handicap puisque on va s'investir sur un territoire, on va mettre en place des programmes dont on vous a parlé, et tout recommencer à zéro, être dans une logique aussi de déménagement, de déplacement, c'est ni bénéfique pour le projet, quand on est dans un projet comme ça avec beaucoup d'ancrage, et c'est ni bénéfique pour les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, pour tous les partenaires qui nous accompagnent finalement, c'est de leur dire vous allez investir dans quelque chose qu'on va devoir recommencer dans un an et demi, là où en mettant un peu plus d'argent, puisque une occupation pérenne coûte plus cher évidemment, on serait sur un bail 3-6-9, enfin un bail plus classique. Ça nécessite plus d'investissement de la part des partenaires, mais en même temps un projet qui se pérennise, qui existe et qui ne va pas recommencer à zéro. Donc en tout cas, nous, notre hypothèse de travail numéro un, c'est de rester dans cette usine Ricard, dans les quartiers nord, et de rester, on espère, de nombreuses années à cet endroit. Et voilà. Et on vous dira évidemment où on en sera dans quelques mois. Et en tout cas, on espère pouvoir, avant la fin de l'année 2021, avoir une vision précise de ce qu'il adviendra à compter de 2023.
Et pour compléter, pour avoir une vision un peu globale de ce qui se passe à Marseille, donc, vous avez reçu 300 ou 400 candidatures. Nous, on a une liste d'attente de plus de 90 personnes à Bureau Police. Là, ce qui va se passer en juin prochain ou aux alentours de ça, c'est que, a priori septembre, mais en tout cas sur une année, il y a une première promotion qui va sortir. Les artistes occupants des ateliers de la ville de Marseille, des bails actuels qui vont sortir, Bureau Police qui va s'arrêter. Et a priori, le couvent Levaille juxtapose qui arrive un peu en fin de course. Donc, dans une ville dans laquelle il y a de plus en plus d'artistes qui viennent s'installer, en relâcher 600, 800, 1000 dans la nature, ça peut être dangereux, quoi, pour le net citoyen. Et parce qu'ils mordent ou c'est comment ? Non. En tout cas, ça pose des questions de structuration là-dessus, quoi. Donc si j'ai bien compris, il risque d'y avoir des centaines d'artistes dans la rue, il n'y a aucun projet de visibilité à 3 ans, quoi, ça, pour le moment. C'est en tout cas, c'est en discussion, c'est en réflexion, quoi. Je pense que, alors après, on peut faire plutôt confiance aux collectivités sur le fait qu'elles arrivent à appréhender le problème et sont en train d'essayer de trouver des solutions. Ça, je pense qu'il y a un travail qui est fait de ce côté-là, donc il n'y a pas de désertion de cette question pour le moment, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... On ne peut pas vous dire, c'est super, ça sera ici avec Artagon, ici avec Bureau Police, ici avec un artiste run space autogéré. C'est en cours. Mais c'est juste que les temporalités sont assez courtes, en fait. 18 mois d'occupation, c'est court. Et ensuite, là, arriver à structurer ça pour essayer de répondre de façon judicieuse à toute cette demande... Pour entre juin et septembre prochain, c'est aussi court, quoi. Mais le bâtiment Ricard, il a pas un nouvel usage prévu. Là, il s'agit simplement de la question du loyer, c'est ça ? Exactement, de notre côté, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils avaient pour vocation, alors on rentre dans les entrailles d'un projet, c'est-à-dire que ce bâtiment avait initialement pour vocation d'accueillir des activités de bureau, donc un espace de coworking avec plutôt des entreprises, des startups. Et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est arrivé, donc nous on devait faire un peu la transition avec la nouvelle affectation du bâtiment. Il y a eu ensuite la question dans le modèle économique de l'épopée de détruire ce bâtiment, enfin de le revendre à un promoteur, de le détruire et de construire des logements. On a réussi en assez peu de temps, puisque c'est important de le dire, nous on a commencé à s'installer en avril, hein, donc c'est vraiment tout récent. C'est un peu comme Bureau Police, c'est un projet qui s'est fait extrêmement, extrêmement rapidement, mais qui répond aussi à une urgence, d'où la vivacité avec laquelle la vivacité avec laquelle on mène le projet. Et du coup, là, on est dans un moment où l'épopée a mis en stand-by le projet de revente de l'espace qu'on occupe, en nous proposant du coup un accord financier. Et maintenant, je pense la plupart des gens qui sont ici, il suffit de trouver l'argent. Maintenant, c'est à ça qu'on s'emploie, c'est-à-dire à lever les fonds qui vont permettre de le faire, puisque c'est un accord qui est très honnête, c'est-à-dire que de la part de l'épopée, il y a un véritable enjeu pour eux et une véritable envie d'avoir Artagon toujours dans cet écosystème, à cet endroit. Mais évidemment, on est aussi une jeune association et il faut lever des fonds, puisque nous, notre objectif, c'est de aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est-à-dire que les activités qu'on propose sont gratuites et on a envie de tenter ce pari d'être soutenu par des mécènes, des partenaires privés, des partenaires publics pour continuer à l'être, et sinon malheureusement on devra aussi repenser notre modèle pour pouvoir faire entrer de l'argent différemment. Merci. Bon, je vous merci à tous. Je vous invite tous à venir boire un petit café ou quelque chose dehors. On peut aller dans le jardin ou c'est... Ouais. C'est Diane Pigeot. À la fin, je vous remercie.
L'occasion aussi, j'ai pas eu l'occasion de vous accueillir au début de cette présentation, c'était bien de rentrer dans le vif du sujet, et je trouve que ça a aussi du sens peut-être de vous présenter un petit peu le lieu où vous êtes. Nombre d'entre vous connaissaient un petit peu le 3BICEF, mais peut-être pas tous, et je pense que ça résonne aussi notamment au projet d'Artagone et de Bureau Police. Alors dans une autre temporalité, c'était il y a plus de 40 ans maintenant, mais quelque part le projet du 3BICEF est aussi né à un moment donné d'une rencontre à la fois entre un centre hospitalier, entre des personnes qui travaillaient ici, c'est-à-dire des psychiatres, du personnel soignant et des artistes, qui à un moment donné ont vu dans une histoire de la psychiatrie publique des vacances de locaux arriver dans ce centre hospitalier et qui ont décidé d'un commun accord d'ouvrir des espaces d'atelier pour accueillir des artistes plasticiens dans un premier temps, mais également des compagnies. Et au fur et à mesure, le projet a grandi. Le centre hospitalier a notamment participé à la réaffection de ce bâtiment, donc d'où son nom aussi, le 3BIS-F, qui était le 3BIS des femmes, donc un ancien pavillon de contention de force qui était désaffecté depuis le début des années 80. Et c'est le centre hospitalier qui a pris en charge toute la réhabilitation, créé cet espace dans lequel vous êtes aujourd'hui, ainsi que l'espace d'exposition à côté, et qui permet d'accueillir des artistes donc, du champ du spectacle vivant et des arts visuels donc en résidence, et les accompagner, donc qui est un lieu de fabrication, d'expérimentation et également de production. Et son autre spécificité est d'être aussi dans une forme de porosité, donc aussi avec son territoire, son ancrage, donc à la fois proche, dans un premier cercle, on va dire le centre hospitalier, ses usagers, mais également la ville, et donc de croiser ainsi, on va dire, un trépied entre la communauté artistique, la communauté de l'hôpital et la communauté de la ville. Voilà, pour faire très court, c'est également une équipe mixte, publique et santé, de même que ses financements, sous forme associative. Et là, pour finir sur une note artistique, cette présentation de ce matin, je vous propose éventuellement un petit temps d'échange dans l'exposition avec Rebecca Ligne, qui va vous présenter le projet sur lequel elle a travaillé en résidence depuis 6 mois. Donc elle est parmi nous depuis janvier, à raison d'une semaine par mois. Et donc là, ce sont des œuvres qui ont été produites entre 2018 et 2019, suite à sa résidence, qui font suite à sa résidence à la Villa Médicis, sur cette même période, et un travail sur la mémoire dont elle va vous parler. Merci à vous.